Reftov. Je vais te devancer. Azak. Alors, on finit juste ce soir, tu disais qu'on n'a pas fini. D'accord, comme ça, on commence juste après la nouvelle sous l'IA avec avec Abos, il n'était pas là hier. Bon, Emmanuel n'est pas encore venu. Alors, tout soit gaga samour le shotarabim. Donc, on reprend juste rapidement. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'Agmara? Abaye avait rapporté. Erev Tov Amos. Erev Tov. Ouais. Quelle page? Tu as 7 minutes de Hachana. Là, on finit juste un tosot d'hier. Le temps, tu prépares Daf Pehe. Là, on est à Daf Pehe. Anar Noramdim Po. Anar Allô? Noramdim Po. Oui. Quoi? Anar Noramdim Po. Po, Bézé Pehe. Pehe, D'accord. allez, Alors, allez. avant de faire d'AFP, juste on finit un Tosfot gag qu'on a commencé hier. Alors, Alors, tu as 5-7 minutes de Hana de d'AFP. d'accord. Prépare entre-temps. Alors, on avait vu hier, donc, Tosfot, il avait été marchim sur Rashi. Donc, on avait vu que Rashi, il avait introduit une mirpeset qui n'était pas écrite dans la Gemara. Donc, c'était une des couches que Tosot avait sur le pirouche de Rashi. Et Tosot, on posait une deuxième question sur Rashi en disant quand Rashi t'a dit que la mirpeste, elle est mégouffée, faite, alors, comment c'est possible de dire que les gens de la Rechut HaRabim, ils interdisent Maïchna entre un Hasser qui donne vers le Rechut HaRabim. Le Rechut HaRabim ne l'interdit pas, le Hasser. D'accord? Alors, tout ça, il va donner deux pirouchim sur ça. Un de riz, un de la pilouta. Il va enlever Gifoufé. D'accord? Pardon, il va enlever, pas Gifoufé, il va enlever la mirpeset. Veomer, il démaille les chapitres de la mirpeset. Obner, le chutalabim, le chamchimbo, les fiches et nos gavoa, à Sarah. Les gens du chutalabim l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas haut de 10. Ben, on y fasse 2000 euros. Mais par contre, il n'est pas entièrement ouvert. Ça veut dire 9. À Orishutarabim. Pourquoi il n'est pas entièrement ouvert? Ou Kegon, c'est l'idée à Gagvouimassara. Par exemple, les côtés du toit, ils sont hauts de 10. Ou bien, au Kolagaglimatamassara, regardez, par exemple, vous pouvez voir ça dans la photo. Jonathan, tu es là? Je suis là. Très bien. Montre la photo 49 et la photo 50. La photo 49, dans la page 175. Donc, de sorte qu'ils font deux cas possibles pour montrer que. Effectivement, il peut y avoir donc une merchissa de Litzachim par rapport au gag, mais au milieu, le Reshut Rabim remonte un petit peu comme ça, et donc à partir de et vers le milieu du Reshut Rabim, le toit n'est plus haut de Litzachim, mais un peu moins. D'accord? Voilà. Très bien. Ramos, tu vois? Ah, il y Là, en ça a. paraît Là, qu'il n'était pas avec nous là. je ne suis pas avec vous, là, Il n'est apparemment. pas avec nous parce que. Il faut faire la sougia. Après, regarde le photo d'en dessous. Ça, c'est le deuxième cas de Tosfot. D'accord? Oh, kolagag lematamaasara. Oui, je le marqué. Il a marqué. On dirait qu'il faut dire be'eser. Il a donc une porte, parce que rappelons qu'une porte s'appelle une porte que jusqu'à 10 amot, pas plus. Après, ça s'appelle une pirsa. Donc, l'agmara, là-bas, la même là de Shmuel, elle exige un soulam pour pouvoir autoriser. Le haut, pourquoi? Comme on verra par la suite. Aval belo sulam, en bne haser le gilimbo. S'il n'y avait pas un sulam kavua, preuve de là que les gens du haser n'ont pas l'habitude de monter sur le toit. D'accord? Alors là, la photo, c'est comme dans la photo 47. Regarde la photo 47. Ouais. Ce que Rashi ne voulait pas, en fait. Selon Henri, c'est ça le pirouche. Ouais. Le kavnin, c'est-à-dire sulam kavua la tiro. Aval belo sulam, en bne haser le gilimbo. Et donc, On me va Ça veut dire de par le fait que les Bnei Hassan n'utilisent pas de manière
continue, alors les gens du Rosh Rabin qui l'utilisent, ils enlèvent Torah Diyur de ce gag-là, de ce toit-là, et ils le considèrent, ils le rendent un karfef, de telle sorte que maintenant, Assur les tel-tel, Mimeno les Hassel et Rabanan. Selon Hachamim, que karfef et Hassel, ce sont deux rechouillots différents, on n'a pas le droit de passer de l'un à l'autre, un objet. Alors là aussi, ça sera interdit. Et pour Rabbi Shimon, bien que Hasser, Karfef, etc., c'est la même réchoute pour les Kelim, chez Shaft ou Behasser, mais un Kelim qui était dans la maison ne peut pas aller dans le Hasser, il peut aller dans le Hasser, mais après, c'est un Fafarouf, mais après, il ne peut pas aller dans le Karfef. D'accord? Au Rabbi Shimon, ami, Kelim, Shaft ou Bebait, un seul alir, mais Hasser, la gag, qui va donner à sa Karfef. Point. Mais l'autre ami, le Hasser, alors quelle différence entre ce toit-là et une cour, un Hasser qui donne un chute à l'abîme? Là-bas, on ne dit pas que le Shut al-Abim, il interdit la cour. Pourquoi le Hasser? Pourquoi? Le Lord a mis le Hasser au Mavash et Ptochim le Shut al-Abim Be'es. De M. Bner Shut al-Abim Oslim Allah. Pourquoi? De Atami Kadji Orin Gumorin, Velkoh Hizir Shut al-Abim Bata. Parce que là-bas, ils utilisent le Hasser de manière continue. Ils utilisent le Mavash de manière continue. Donc le Shut al-Abim n'a pas une force pour pouvoir l'interdire. Par contre, quand il y a un soulam kavua, alors ça prouve que de là, que les bnei reshut, bnei hasser, l'utilisent de manière continue le toit, et donc le reshut abim n'a pas une force de l'interdire. Voilà le plus rouge de riz. Ça, c'est la preuve d'Abayé, et la Gemara les Doha, peut-être l'éolam, le toit, il est haut de dit fahim. La suite, c'est comme Rashi. D'accord? וקאמרין אנדיל מה בקוד מה בסודרה דרגילים להניח שם בדר רשות הרבים כשהם עייפים אף על פי שגבו העס עשרה טפחים שמסו יקל הוא כתפירש בקונטרס ותשמיש נחת הוא ולא דמי רשות לרשות שבין שתי חסרות לזה בפתח ולזה בזכה סציקה בראשי דקור נחסר משתשימו בקובעים אלא בקרים כבדים פה נוקסה זה לפחומי פירוש דורי דוזיין פירוש של רידו רבנותם ורבנותם מפרש בעניין אחר גג הסמוך לשוט הרבים ונמוך בתוך העשרה, צריך סולם קבוע להתשילו. סולם רבנותם, לתו איפה נף, איפה בעדיס, יאו כן עוד רואה איפה דיס. דקור? ונמוך בתוך העשרה, צריך סולם קבוע להתשילו, לא יבא פילוע לרבנותם. איפה הסולם קבוע פופוואר אותו איזה סוטו עליו? פוקווה? פוקווה היא לרמפה כרמלית? מפר סוקו, דקיוון דתוכו לשוט היחידי, פסקה לאנטריאר. Le toit-là, à l'intérieur, c'est un shtahit, c'est une maison. Donc, le toit, c'est un carmélite léger. C'est un carmélite léger. L'eau d'ami, les chars carmélites, le soulam kavua, chez Behassel, mais ma'et koho. Mais ma'et koh, carmélite. Si maintenant il y a un soulam kavua, ça enlève déjà le carmélite, il est léger. Ça enlève, bichla, le hisson du carmélite. Mais ma'et koh, carmélite, chez Behassel, de l'eau avec carmélite, ma'alia. Donc, ce n'est pas un bon carmélite. C'est pourquoi. Comme il dit de la banane. C'est pourquoi le salam kavua, il va être au cas où le dîme de la vie, ça va être autorisé. Ça, c'est si c'est un salam kavua. Vous avez la force du hidouche de la binoutam ici. La binoutam, d'accord, c'est un hidouche qui donne. Rashi et Ri, ils avaient demandé qu'il y ait quand même des mechissot. Oui, la binoutam a dit non, même ce n'est pas de mechissot, 9 patlis. Oui, c'est un kalmi tarawa, ça. Garoua. Et donc, Soulam Kavua, il est OK. Par contre, Diyek Achaz, Soulam, le Talmud, il est médaillek, Soulam Kavua, il est Soulam Araino. Agmara, le médaillek, et c'est ça la preuve d'Abeye. Soulam Araino, Afalgav, dans l'idée de Soulam Araï, Awet Tashmishna Hatfe. Attends, je ne comprends pas. Quand tu mets un Soulam Araï, même si c'est le Soulam Araï, quand même, le Tashmish du Gag, il est plus Nahat, il est plus agréable que dans le Rishut Arabim. Le Rosh Rabim utilise le toit. C'est ce qu'il dit Tosfot. Nahat tfe le haser mi bene le Rosh Rabim. De l'etléo le bene le Rosh Rabim. Mais filo soulam araï. Les gens du Rosh Rabim, ils n'ont même pas un soulam araï. Mais filo achi, j'interdis. Pourquoi? Parce que tu es dans les 9 tfahim, dans les 10 tfahim. Donc tu vois bien que lorsqu'il y a un reshut, oui, il est un reshut, le reshut du Rosh Rabim. Et l'autre, le carmélite, il est dans les 10 tfahim du Rosh Rabim. Le Rosh Rabim, il a une prise sur lui pour l'interdire. Parce qu'il voulait Abayé prouver en fait. Sur ça, la Gemara repousse. Pas du tout. Toi, tu crois que la raison, c'est parce que
il est dans les Tzitzachim, c'est ça la raison du Issour? Pas du tout, parce que même le Shtarabim, ils ont un tashmish léger, agréable, comme le Soulam Ara est de l'autre côté. Par exemple, Koutma Vesoudala, comme on a vu dans la Gemara. Koutma, j'ai dit Koutma, Koumta, pardon. Koumta Vesoudala. ודחיל הפפד בני רשות רבים למיקה תשמיש נחת וקומתה בסודרה דרושו של אדם סמוך לגג והווה תשמישו בנחת ולא סולם כלל כלי בני חזר בסולם ולאחי צריך סולם קבוע להתשאר שפקוע ג'י בטוח פור אוטוריזה אין סולם קבוע פור אוטוריזה קרמילית גרוע כזה דווה תוכו רשות היחיד פחו יספל גרמיל גרוע אז כל התאיור של מזו סרשתו יחיד הוא הפן דו תוספור Très bien. Maintenant, on commence une nouvelle sugya. Donc, on a la dernière ligne de Daf Pédal et Tamoud Chéni. Amar Abouda, Amar Shmuel. Exactement. Bon. Tu vois que ça sert la Hana Amos. Amar Abouda, Amar Shmuel. Amar Abouda, Amar Shmuel. Bien sûr, il faut. Obligé. Bon, je ferme les yeux sur ma serrette de Louvain, parce que peut-être elle est un petit peu compliquée. Sincèrement, j'ai pris la. Je suis allé en bus aujourd'hui quelque part. J'ai pris la Guémara avec moi pour étudier, mais n'arrête pas de bouger. Alors là, j'ai rien pu faire. Bon. Mais même si on se tient à ce que tu dis, tu as dit tout au long de cette macérette, il ne devrait pas avoir de différence entre celle-là et une autre. Non, mais lui, il a une différence. Je dis ça, je dis rien, mais je suis le premier concerné en même temps. Hein. Lui, il dit, ah oui, il y a une différence. Voilà. Il y a qui disent les msartout difficiles, c'est Ané, Aïrouvin, Nida et Yivamot. T'as vu, je m'attends là, qu'est-ce que ça fait ou pas. Hein? Non, mais Rabbi Meir Mazouzi, il a dit ça aussi. J'ai entendu de Rabbi Meir. Non, mais tu as vu là, ce que ça fait, c'est la 10e fois qu'il nous le dit. Ah. Allez. On y va. On aura besoin des photos aujourd'hui. Amar Aviuda Amar Shmuel. Bor Sheben Shte Haserot Mufleged Mikotel Ze Arba'a ou Mikotel Ze Arba'a Zem aussi Ziz Kol Sheu Memale Vezem aussi Ziz Kol Sheu Memale. Rav Yehuda Didé Amar Filokania. Point. Alors, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il nous dit, vous avez un puits entre deux hassers. D'accord, Rachid dit, dans cette ville, il y a, regardez la photo, c'est mieux, au lieu de beaucoup parler, regardez la photo 51. Photo 51, voilà. Et il y a deux hassers. Regarde ma photo, Amos. Regarde ma photo. Oui. Je vois, ok. Il y a un puits qui est entre deux hassers. Et voilà. Mouflag, comme ça on diminue. Ouais, ils sont séparés. Séparés. Ils sont éloignés, le puits est éloigné de chaque côté de 4 fahim. D'accord. De 4 fahim ou 4 fahim, oui. 4 fahim, d'accord. Oui. Et donc, chacun, en faisant sortir un ziz, une sorte de petite plateforme, là. D'accord, comme vous le voyez dans la photo. Oui. Eh bien, tu pourras, chaque chasser pourra puiser de ce puits-là. Mais je me rends compte que puits et puiser, c'est la même racine. Ah oui. Ah oui. Oh. Mieux tard que jamais. Hein. Il est bon. Mais il est meilleur que le catalogue. Hein. Ah bon. Alors, non, le catalogue c'est beaucoup mieux. Le catalogue, c'est beaucoup mieux. Alors, regardez, là, je vais faire quelques rachis. Hein. Dans notre souvenir, on va faire quelques rachis. Non, mais alors, bon. Alors, regarde, fais rachis, après, tu as des questions, tu poses. D'abord, venez déjà d'expliquer ce que Shmuel a dit. Shmuel nous dit, dans ce cas-là, on pourra donc remplir. Et vient Rav Yehuda, lui-même, il rajoute de lui-même. Rav Yehuda dit, pas forcément un ziz, même quelque chose qui est encore moins perceptible. Un cané. Voilà. Oui. Mmh. Alors, très bien. Une seconde. Il y a quelqu'un qui va envoyer un. Alors, Rashi, Bor Sheben Shte Haserot.
Aproudot zomizo, ou mafsir benehem, qui a un mavoy katan. Il y a comme un petit mavoy, comme on l'a vu dans la photo. Il n'y a personne. Ça appartient à cette ruelle-là, ce mavoy-là. Et ça appartient au Hasserot, quoi, d'accord? Il est de chaque mur séparé de quatre fahim. Pourquoi on nous demande quatre fahim de séparation par rapport à chaque mur de chaque Hasser? Parce que si ça n'avait pas été le cas, dit Rashi, Tashmisho Benahat, pour chacun, dans les quatre fahim, Tashmisho Benahat, ça s'appelle Zebe Shilshul ou Zebe Shilshul. Or, on a déjà vu que Zebe Shilshul ou Zebe Shilshul, et Had au Sereta, Sheni, d'accord? Donc, avec Moshe Abor, Hasia Behasazé, Hasia Behasazé, Shilshul Shnem Shuletit Ba, Utnam Bematitin, Bon Shibeshne Hasselot, et Memalin, et Mena Beshabat, Shizé au Serazé, etc. Très bien. Au Rashi d'après, Kach et Shivri. Bon, c'est un autre Benou Israël, on dirait. Zé Mossi, le Rachid après. Zé Mossi Ziz Kolcheou. Mikotlo Ad Lebor. Au même allé de l'Ech Halolo. Tout ce qu'on a vu dans la photo, je ne traduis pas, je n'explique pas. Vechen Zé, de Kiwan de Moufler et d'Albara. Lo Chaltebe le Essor Zé Alzé. Comme ils sont loin de quatre, je n'ai pas une mamise là-dessus. Chacun n'interdit pas l'autre. S'il y avait une porte, donc un tashmish normal que je puisse aller vers le bord, j'aurais interdit l'autre, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Le seule utilisation que j'ai du puits, c'est à travers la fenêtre en jetant le seau dans le puits pour puiser, ouais. A priori, même un ziz, je n'aurais pas exigé. Et la mishum ekel be'al, ma shilshtam shubishut acheret, shilshnaim, belo eruv, mishum achim et takneacha pourta. A priori, on n'aurait même pas eu besoin de mettre un ziz pour ne pas venir à confondre ce cas-là avec un autre cas où il y a deux qui sont sholtim be'makom echad, que là, il faut faire eruv. Alors, on exige ce ziz-là en tant que hekel. D'accord? Rashi ramène une preuve qu'on a vu ça aussi par ailleurs dans Maser Shabbat Avkuf. Là-bas, Sfina Ravuna Amar, Mossi Emen Aziz Kolcheou Memale. Là-bas, Ravuna, tu es dans un bateau, tu veux puiser de l'eau, il faut faire sortir un ziz, petite plateforme. Pourquoi? Alors, pourquoi tu as le droit? On a dit, là-bas, la Gemara a expliqué qu'en fait, ce ziz-là, ce n'était qu'un équerre. Parce que comme l'eau, en fait, en réalité, le carmélite de l'eau, il commence au fond de l'eau, dans le sol. Dit Fahim au-delà, on est déjà dans le Makom Ptour. Mais pour ne pas, comme les gens, ils ont l'impression que tout ça, c'est un bloc, et donc l'eau, c'est un bloc, c'est un carmélite. Donc, pour qui est, on fait ce hekker avec le ziz. Donc, Minadin, tu n'as pas besoin de ziz, mais on met ce équerre là pour le ziz pour ne pas que tu viennes apporter une autre fois d'un carmélite à un réchute yahid. Le bateau, c'est un réchute yahid. De l'eau, l'itil est attelé, mais carmélite à haït, le réchute yahid. Veyam, le gabébilou, il suffira l'aide de là au carmélite. Et là, carcaïta, aval, aouira, de maya, ma compturu, de maya, qui mande l'état, nous d'amis. Vas-y, Amos, je t'écoute. Non, simplement, c'est-à-dire. C'est le fait que pour remplir l'eau, il faut qu'il jette le seau, donc ce n'est pas que ce serait benahat. Mais dans le cas du bateau ou dans le cas du puits là? Non, dans le cas de notre cas, puits. Non, c'est pas le. Oui. Le puits, oui, le oui puits. Exactement. Oui. Exactement. Tashmish Derech Avir, ça s'appelle. Ah. Tashmish okay. Derech Avir, je n'ai pas une emprise là-dessus, j'interdis pas. C'est pas. Un tashmish benahat, comme tu as dit, il y a une porte, je viens, je marche, je c'est pas ça, je jette. Et ça, ce n'est pas au cerf. Et Minadine, j'aurais rien eu besoin a priori. Kamash Malan, enfin, viens m'apprendre, Shmuel, que quand même tu mets un ziz pour ne pas que tu viennes à autoriser dans un autre cas, en tant que Hekel. Oui, donc Rabbi Yehuda, quand tu dis Midlidi, a fait le Bekane, il aurait pu dire. Rashi, c'est quoi le Hidush de l'homme in Karkulehai? C'est ça le hidouche. Même quelque chose qui est crâné, qui est un peu plus imperceptible qu'un ziz,
D'accord? Afal pi ken zemoutar. On s'en fiche en fait. C'est juste un heker. Point. Très bien. Maintenant, continuons la Gemara. Ça, c'est l'enseignement de Rav Yehuda Amar Shmuel. Amal et Abaye le Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef. Ah, de Rav Yehuda, dit Shmuel. Tu sais, ce que Rav Yehuda vient nous apprendre, c'est Ah, tu le Shmuel qui connais. l'a dit. C'est Shmuel qui l'a dit. Ah, de Rav Yehuda, dit Shmuel. La Gemara est en train de comprendre. Nous, on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire là. D'accord? Donc, quand on a dit Rabbi Yehuda Didi, Amar Afilo Kanya, c'est Hadi Rabbi Yehuda Didi, c'est de Shmoeli, c'est pas comme on a dit. Regarde la suite. Dei de Rav, ha amar en adam moser al havero derech avir. Rav, lui, il pense en adam moser al havero derech avir. C'est quoi le but de cette phrase-là? Ça veut dire que Rav, a priori même Shmuel, il pense ça. Mais Rav, il n'exige même pas un Heker. Donc l'enseignement de Rav Yehuda, sache que c'est en nom de Shmuel. Et nous, on ne comprend pas. Mais c'est clair que c'est en nom de Shmuel. Il y a marqué Amar, Rav Yehuda, Amar, Shmuel. Seulement, comme Rashi va le dire juste après, Abaye, il n'a pas entendu que Rav Yehuda, il a dit ça en nom de Shmuel. Il a entendu que Rav Yehuda, il a dit ça en son nom. Amar, Rav Yehuda, Bol, Sheben, Shtei Haserot, etc. etc. Ouais. Sur ça, Abaye dit à Rav Yosef, tu sais, hein, ce que Rav Yehuda, il a dit, parce que vous savez que Rav Yehuda était ermite de Rav et de Shmuel. C'est pas de Rav qu'il a entendu, c'est de Shmuel. Parce que Rav, lui, il pense même et qu'elle t'a pas besoin. Parce que jamais, Derech Avir, Tashmish Derech Avir, ça, c'est interdit. Et pas uniquement ça interdit pas. L'Akbar comprend, il comprend, il n'y a même pas besoin d'un Eker. D'accord? Plus tard, l'Akbar, elle va nous dire d'où Rav, il a dit ça. D'où on sait que Rav pense comme ça. On verra ça après. Pour le moment, on accepte ça en tant que résultat. Voilà, Gmara, très bien. Où dit Shmuel Mecha? Et où est-ce que tu as vu que Shmuel, lui, il interdirait s'il n'y a pas de Heker? Il est ma Une seconde. Voilà. Et l'imam et Adam, Rav Nachman, Amar Shmuel, Gaga Samouch, Lershut, Arabim, Salir Soulam, Kavuala, Si, c'est de l'enseignement suivant. L'enseignement qu'on vient de voir à la fin du hamoud précédent. C'est quoi? Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Gaga Samour Lishut Arabim. Donc, on va suivre le derrière de Rashi, hein, après Tarkish, Shita Tari et Rabbeinu Tam. Gag qui est proche du Lishut Arabim. Il y a une mirpeste. Il y a 9 tvarim. Et sur le, c'est-à-dire, du Lishut Arabim à la mirpeste, il y a 9 tvarim. De mirpeste à Gag, il y a 9 tvarim, par exemple. Ouais. Au toit, il y a 9 tvarim. Donc, Gag à Samour, Lishut Arabim, Sarir Soulam Kavua la Tchiro. Il faut un Soulam Kavua de la mirpeste au Gag pour pouvoir l'autoriser, le Gag, pour pouvoir l'autoriser. Sarir Soulam Kavua la Tchiro. Et alors, c'est quoi le Hidouche? Regardez Rashi. C'est quoi le limoud de là? Sarir Soulam Kavua, regardez Rashi. Oui, il a béné Rishut Arabim Asri Alei de l'Echavir. Si maintenant il n'y avait pas, oui, il a béné Rishut Arabim Asri Alei de l'Echavir. S'il n'y a pas de Soulam Kavua, les gens de Rishut Arabim, ils interdisent le gag. Et pourquoi ils interdisent le gag? Parce qu'ils utilisent le gag Derech Avir en jetant quelque chose sur le toit. Chez gag Zeraoui, il est à Shmishan et là, il Zorknala, parce que le toit, il est un peu haut. Ouais. Ils ne peuvent l'utiliser qu'à travers un jet, en jetant. Zorknala ou Shumdavar. De Stam Rishut Arabim. Pourquoi ils ont besoin de jeter? Rashi dit, parce que Stam Rishut Arabim, il a Khifoufé. C'est quoi Khifoufé? C'est des petits plots. Comme vous pouvez le voir dans la photo 41. Vous voyez là, la photo 41. Jonathan, tu es où? Voilà ici. Vous voyez? Il y a des petits plots à côté des murs. Je vois rien là-bas. Bon, mais Jonathan, il est parti. Bon, c'est pas grave, tu peux t'imaginer, c'est pas. Ah oui. Alors, Dirachi, pardon. Stam le shoot à la vie, Mika, il faut faire ça pour l'ectalim, ou Mitrachim al-Korhan. Donc, tu es obligé d'être un peu loin, donc tu es obligé de jeter pour utiliser. Donc, tu vois bien
que ta chemise d'Erech Avir, s'il n'y avait pas le soulam Kavua, celui-là, il interdirait, dit Shmuel, il interdirait l'utilisation du gag. Donc les gens du Shutarabim, ils ont ta chemise d'Erech Avir et ils interdisent s'il n'y a pas de soulam Kavua. Voilà donc une preuve comme quoi Shmuel pense que d'Erech Avir, c'est important. D'accord? Alors, dit la Gemara. Il y a une petite chose ici qui me dérange. C'est que ce limoud-là, ce din-là, on a l'impression que Derech Avir, c'est interdit minadin. Or, Shmuel lui-même, Bémet, comme Rachid l'a dit en haut, il n'interdit pas minadin. Il pense que le zis, ce n'est qu'un équerre. Minadin, ce n'est pas interdit. C'est juste pour ne pas venir à. Mais dans la charla vétale de la Gemara, on a l'impression que c'est minadin que c'est interdit. Bon, peut-être la Gemara aurait pu dire le vrai tamer, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Gemara le repousse en disant Dilma kederav papa. C'est pas sûr que là-bas, c'est un tachmish de l'échavir. Je peux te dire comme la papa, il a dit, là-bas, tu mets ton chapeau quand tu as chaud. Il fait chaud, il fait tellement chaud, tu veux t'aérer la tête, tu enlèves ton chapeau, tu le poses quelques secondes sur le toit de la maison. Et là, c'est un tachmish kal. C'est pas un tachmish de l'échavir. Tu jettes pas une marchandise. D'accord? Tu déposes comme ça, facilement. Donc voilà pourquoi le Rshut Rabim interdise s'il n'y avait pas de soulam kavua. Donc tu n'as pas de preuve que Shmuel interdit ta chemise d'Erech Avir. Alors la Gemara elle change, elle dit très bien. Et là, Meha. La chose de la Gemara, il est un peu compliqué, vous allez voir pourquoi. Et là, Meha, pluriel, ça veut dire je vais t'amener une autre preuve que Shmuel interdit d'Erech Avir. Mais en fait, ce n'est pas ça la Kavana. Et là, Meha. Mais en fait, ça c'est la même là de Shmuel. Oui, c'est la même là de la Yehuda. Qu'est-ce que la Gemara est en train de dire là? Oui, on retombe sur la même là de la Yehuda. Ça veut dire qu'en fait, la Gemara elle corrige. En fait, Rav Yehuda, Abaye, il a entendu que Rav Yehuda il a dit ça au nom de Shmuel. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire, Abaye? Abaye, en fait, sa kawana, c'est de dire que le djinn de Rav Yehuda, quand il a dit, comme tu as dit tout à l'heure, Amos, quand Rav Yehuda, il a dit, Afilo Kanya, ça, il a appris de Shmuel. L'Avdav Kaziz, même Kané. D'accord? C'est ça le but, en fait. C'est ça la kawana d'Akbala. Et là, mea, zemosiziz kolcheu memale, zemosiziz kolcheu memale, tama, de apik, ala apik, amrinan adam osera haverot de rechavir. La raison, c'est parce que Apip, il a fait sortir. Vous voyez, hein, tout ce que je vous ai dit, je viens de vous dire là, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Ah, lo Apip, Abrinan Adam Moser Havero Derech Avir. Mais on ne comprend pas la Gemara. Si c'est ça le but, on ne comprend pas. Tu m'as dit que Rav Yehuda et Abaye ne connaissaient pas que Shmuel a dit une telle chose. C'est pourquoi Rashi va intervenir ici. Regardez Rashi. Et là, Meha. De Abaye, Shema'al et de Rav Yehuda, Milte di Shmuel. D'accord? Abaye, en fait, il a entendu l'enseignement de Rav Yehuda qu'il a dit au nom de Shmuel. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Abaye, alors? Voilà ce que dit Abaye. Ah, débarré, Rav Yehuda, Kanya. Ce que Rav Yehuda a dit, Kané, ça suffit. Je demande à Kané, pardon, débarré, Rav Yehuda, Kanya. Mishmuel, Kamala. Il a pris ça de Shmuel, débarré, Tchikoun. Et il est venu m'apprendre la Yehuda. D'accord? J'ai besoin. Donc, parce que si tu ne fais pas ça, alors Adam Mosel al-Havelod el-Khavir, il est interdit. Donc, j'ai besoin d'un Kané. Et mon Hidouche à moi, plus que Shmuel, c'est pas besoin d'un Ziz. Là où Ziz Dauka, Amar, de Kiwan de l'Oba et Ziz al-Ba, puisque je ne demande pas un Ziz de 4 Fahim, de Makam Hashouv, de Aziz Kolcheou, Amar. Que Shmuel l'a dit, Ziz Kolcheou. De là, Rav Yehuda, il a compris. Yalif, Rav Yehuda, Mine, de Wajin et Tania. Même pas une petite plateforme, mais même un canet, un morceau de bois, une tige. Ça suffit. Voilà ce que Abaye voulait nous apprendre. Très bien. Fin de l'enseignement de Shmuel. Maintenant, la Gemara, elle va rebondir. Par rapport à Rav. Par rapport à Rav.
Très, très bien. Avant de faire la suite de la Gemara, oui. Donc, les fois, pour le Holi Amou Israël. Les fois. Comme les... C'est vrai, hein. Il y a beaucoup de malades. Hein. Quoi, Corona? Oui, le papa d'Orbich. Le papa d'Rabbi Shmuel, sa mère, et voilà, et Matouk, Hato Matouk Cohen, Baruch Hashem, lui, il va mieux. Rabbi Yisrael. Ok. Alors, okay. Tosfot Bor, je ne vais pas le faire maintenant. On peut le faire maintenant, mais comme on va devoir rapporter quelques enseignements par la suite, on a besoin de quelques enseignements par la suite de la Gemara dans Moucheni, je vais attendre un petit peu, d'accord? Par contre, soit Dilma Kedelav Papa, on peut le faire. Dilma Kedelav Papa, Bekumta Vesudara. Ouais, comme on a expliqué tout à l'heure, il peut utiliser le gag avec en mettant son turban, son chapeau. D'accord, c'est un tashmish qui n'est pas à l'idée à vivre. Mais Kala Salkadate Daïd Bimassaot Kvedim, ça explique le Silokadat et la Tria. Mais Kala Salkadate Daïd Bimassaot Kvedim, au départ, on croyait qu'on parlait de charge lourde, d'accord, de Otan Engrim Nitkalev Laktalim. Eux, on n'a pas l'habitude de s'approcher trop des murs, on mishtamshim begag al yedei zrika. Donc on utilise toi en jetant les charges lourdes. Kegon otam shemafshilin masorot bemakalot al kitfehen, comme parfois vous pouvez voir dans photo 56. Voilà photo 56. Faites attention dans page 177, la photo tout en haut. Je crois que les Chinois parfois ils, ou bien d'ailleurs je crois qu'ils portent comme ça aussi. On a déjà vu ça dans le chasse. Très bien, tout en haut. À tout en haut, grossis la photo d'en haut, je l'attends, peut-être c'est mieux. Ah bon, tu vois? Voilà, oui. Ils jettent leur charge comme ça, hop, la main pour le. D'accord, mais ils sont un peu loin du mur, comme on a dit, puisqu'il y a des plots. Kegon, Otam, Shemaf, Shilin. Alors montre les plots dans la photo juste d'avant, 55. La photo juste avant. Voilà. Ah, c'est... Voilà. Voilà, c'est bon. Ils servent à quoi ces plots? C'est, en général, on met des plots pour s'éloigner, pour ne pas frotter les murs et les briser, les abîmer. Ils mettent des plots, d'accord, pour que tu t'éloignes, les carrosses, etc., s'éloignent des murs. D'accord. C'est clair, on appelle ça hafoufé. Comme il y a maintenant, quoi, presque. Ouais, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, dit Tosfot, Kegon, donc, Otam, Shema, Fshilin, Massaot, Mokrot, Akitfeen, Kshirosim, Akatef, Mokatfin, à la gag. D'accord, il y a une séparation de quatre entre l'homme et le toit. Et on répond, on repousse en disant non, peut-être qu'on parle de Kumta Vesudara, c'est quelque chose de léger. Donc on s'approche vraiment, c'est pas Derechavir. Voilà pourquoi ça interdit s'il n'y a pas un soulam, ta voix. Très bien. On continue la Gemara. Où est-ce qu'on a vu que Rav pense en Adam Moser al Havero derech Avir? Où on a vu ça chez Rav? Il est mamé à Shnek Zustraot, Zolé Malamizo. Alors, cette histoire de Shnek Zustraot, oui? Shnek Zustraot, on l'a vu hier. D'accord? Donc, on l'a vu hier, donc il a dit, il m'a mis texterot, zole mal à miso, assoumé chisala luna, vlo assoumé chisala tartona, htn, assurot, hachi arbu. Alors reprenons le cas, parce que moi, c'était pas là hier. Regarde, montre-lui la photo 41. La photo 41. Voilà. Amos. On a deux Gustraot. Yes. Ok. Elles sont pas vraiment alignées. Décalées. Voilà. Et décalées même dans la hauteur, oui. Et il y a tout en haut, dans celle de la Gustraot en haut, ils ont fait une Mechissa qui peut être vers le haut ou vers le bas, ça ne change pas. Là, ils l'ont fait dans la photo vers le haut.
Elle est haute de 10 fahim, elle a une hauteur de 10 fahim la Mechitsa et sur 4 fahim de largeur. D'accord? Ce cube, une sorte de cube comme ça, enfin pas vraiment un cube, mais. Cylindre. Enfin, c'est un pire. Cylindre. Ouais. Non, une sorte de. Ah ouais, 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 un cube, pardon. Pas un cube, on dit ça. En français, tu cherches? Ouais, comment ça? Rectangle. Quand c'est... Ouais, quand c'est rectangulaire. Bon, d'accord. Alors, RGE. Donc, dans ce cas-là. Manu, je n'ai pas la photo, mais je crois que ce dont tu veux parler, ça s'appelle un parallépipède. Parallépipède rectangle. Juste, parallépipède rectangle. D'accord. Bon, peu importe. Donc, le Tana nous dit Zolema la miso, Asu. Donc, je t'ai dit Zolema la miso, Asu, Mechisa, Lelena, ou Asu, Mechisa, Tafuna, Shteen, Asurot. Oui, les deux, ils sont. Les deux ne peuvent pas utiliser cette mechitsa là, d'accord, pour pouvoir puiser l'eau dans l'eau, puiser l'eau, d'accord, en jetant un, il va jeter son seau et l'autre il va être méchalchel son seau, il ne pourra pas, d'accord. Le bord, il est où le bord? Il y a pas de, il y a en bas il y a une mer, d'accord. La mer, carrément. Par exemple. Et donc, on ne pourra pas puiser parce que la mer, c'est un carmélite. Et donc, il faut faire des mechitsa, cette fameuse mechitsa. Celui d'en bas, il n'a pas fait. Celui d'en haut, il a fait. Et ils se sont associés pour la faire. Comme on a expliqué déjà la dernière fois, hier. Et on réexpliquera ça plus tard. Bézat Hashem. Alors, Amarav, Loshan, Amarav, Amarav. Sur cette Mishnah-là, il y a un enseignement de Rav qui est le suivant. Loshan, Oela, Bismoucha. אבל במופלגת ארבעה עליונה מותרת תחתונה אסורה. Quand est-ce que les deux ils sont interdits? Quand les deux gzustraot sont proches l'une de l'autre de quatre fahim. D'accord? C'est-à-dire une elle est là, l'autre elle est là. Entre les deux, il y a un écart de moins de quatre fahim. Mais s'il y a un écart de plus de quatre fahim ou plus, alors celle du bas n'aura pas le droit, mais celle du haut elle aura le droit. Pourquoi? Parce que celle du bas, pour l'utiliser, il faut faire une zrika. Donc, une zrika de manière horizontale, à part le côté vertical, puisque le bas vers le haut, il doit jeter vers le haut, non? Donc, il y a une composante verticale, une composante horizontale. D'accord? La composante verticale, c'est celle-là qui nous intéresse, enfin. C'est celle-là, quand on dit d'El Khavir. Donc, Dilakmara. Tu vois bien que Rav, il autorise celle du haut à utiliser la mechitsa pour puiser et celle du bas ne l'interdit pas. Pourquoi? Parce que celle du bas, son tashmish, il est derech avir et derech avir n'interdit pas. Voilà ma preuve. Repousse la Gemara. Dilma. La Gemara repousse. Dilma. שאני אחא דקיוון דלזה בזריקה ושלשול ולזה בשלשול לחודה כלזה בזריקה ולזה בפתח דמי. Là-bas, peut-être c'est différent. Pourquoi? Celui du haut, il fait que chilchoul. Il fait que baisser le seau. On est d'accord? Celui du bas, à part le chilchoul qu'il doit faire lorsqu'il jette le panier, le seau dans la mechitsa, donc il fera un panier comme ça, hop. À part le chilchoul, il y a aussi une zrika, les mala et horizontalement. D'accord? Une zrika comme ça en biais. D'accord? Donc ça ressemble. Enlève chilchoul de chaque côté. Ça ressemble à nahat. Pour l'un, nahat. Pour l'autre, zrika. Nahat, pour la nahat et l'autre zika, on le donne à celui qui est nahat. Voilà pourquoi Rav il a dit celui du haut, c'est lui qui a le droit de puiser. Voilà sa raison. Mais les olam, dans le cas de Shmuel par exemple, si c'est les deux bizrika, comme on a vu le cas de Shmuel, chacun il doit jeter un seau pour puiser dans le puits, ouais. Les deux bizrika, peut-être interdit. Que Rav il interdirait aussi comme Shmuel, avant que tu mettes ainsi, etc. Ouais. Peut-être qu'il interdirait, donc tu n'as pas de preuve.
Alors, dit la Gemara, elle a mis seulement d'où je sais que Rav pense que un Mais Adam avir. oser al-Havero derech Avir de l'enseignement suivant. Ça va être le bon. Et là, mais Adam Aram Nahman Et Amara non, Baba Rabba et Amara. non, c'est, et Un non, c'est. oser. Très bien, un oser. De Amara Nahman Amara Baba Rabua Amara. Shne Batim Veshalosh Horavot Benehem. Vous avez deux maisons, et entre les deux maisons, il y a trois ruines. Shalosh Horavot Benehem. Zé Mishtamesh Besamuchlo. Allez des zika, veuzem ishtamesh besamuchlo, allez des zika, wa'em sa'i asur. Alors, venons, on explique déjà ça. Regardez d'abord la photo. Alors, dans le silouk hada'at, on comprend qu'on parle de la photo 56. Et en fait, dans la mascara, on verra qu'on parle de la photo 59. D'accord? Regardez la photo 56. Il n'est pas là, notre ami. Regarde, regarde. Voilà. Alors, regardez. Là, vous avez donc une maison de chaque côté. Maintenant, par exemple, par rapport à la maison de droite, il y a une Ça, chorba. c'est la droite, ça? Non, mais bon, pour moi, à la droite, c'est de l'autre côté. Ok, Comme tu ouais, veux, c'est ça la ne me droite. dérange pas. La maison de droite. Alors, dans la maison de droite, vous avez une chorba. De l'autre côté aussi, de l'autre maison, côté gauche, il y a aussi une chorba. Et il y a une chorba au milieu. D'accord? Ça, c'est le silo kada. Maintenant, regarde, juste montre, descends un petit peu, tu montres la photo de la maskana. En conclusion, on dira qu'en fait, voilà, vous voyez, au fond, il y a trois chorbot ici, sous forme de ségol. D'accord? La Gemara va appeler ça Hasouva. D'accord? Ça veut dire trépied. Deux au fond, deux devant et une derrière. Vous voyez? C'est clair ou pas? Non, je ne sais pas où tu les Non, trouves, vous n'arrivez ces pas à voir. trépieds-là. Non, ce n'est pas trois pieds. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire comme ça. Regarde mes doigts. Ouais, je vois, C'est-à-dire c'est que tu quoi, as deux mais je. chorobots ici et tu as une chorba là. Donc en Ah, fait, ok. tu as compris? Voilà. Ça veut dire qu'en fait, chaque maison, il y a deux fenêtres. Il y a une fenêtre au Montre-moi les fond. harbots. Montre-moi les harbots et les hatselim. Je ne vois pas bien. Ben là, tu vois une. Attends. Voilà, ça, voilà, là, tu vois deux, devant deux, et au fond, il y a une chorba. Mais là. Tout au fond. Maintenant, la maison, elle va de bout en bout. Les deux maisons de chaque côté vont de bout en bout. Vous avez une fenêtre qui mène à une chorba, et au fond, une autre fenêtre qui mène à la chorba du fond. Ça va être la maskana. Vous avez retenu les deux photos? Très bien. Ouais. Maintenant, on revient à la première photo. On revient à la première photo. On va essayer d'expliquer ce qu'on est en train de dire. Dis Rav, écoutez bien ce que nous dit Rav. On efface tout. On efface tout ce qu'on a. Juste, on se concentre à comprendre la Mémra de Rav. Shnei batim veshalosh chorvot benehem. Deux maisons et trois ruines entre. Zeh mishtamesh besamuch lo. Ça veut dire. Reuven, il utilise la chorba qui est proche de lui. Allez des zrika. En jetant. Il peut jeter. Shimon, il peut utiliser la chorba qui est proche de lui. Toute la chorba, il peut utiliser. Aussi bien proche de la fenêtre que loin de la fenêtre. En jetant, donc forcément en jetant. Proche de la fenêtre, il peut faire un chilchoul. Mais loin de la fenêtre, il est obligé de jeter. On est d'accord? Emsaï, Asso. Bon, on ne comprend pas pourquoi Emsaï, Asso. Pourquoi on ne peut pas jeter vers le Emsaï, on ne comprend pas très bien. Alors, Rashi sur place, il nous dit, le kamem efarech tama David akechasuva. D'accord, on verra, hein, comme dans la photo d'après. Donc, laissons le Emsaï de côté. D'accord? Maintenant, je reviens à Amud Rishon et je fais Rashi. Venez, on fait Rashi ensemble. Rashi est important. Zemishtamesh bechorba, vous êtes avec moi dans Rashi? Jonathan, tu es avec moi dans Rashi? Ouais. Oui, Zemishtamesh. si, mais je t'amuse pas, parce que tu m'en calo. Asmukhalo derek halono al yedei zrika. O il ve en lo bat tashmish gamur behol.
Il n'a pas vraiment une utilisation claire. L'utilisation qu'il a, c'est à travers la fenêtre. Il n'a pas un pétard. S'il avait un pétard, Reuven avait un pétard, Shimon avait un pétard, alors ils auraient interdit l'un l'autre, Bichlal. D'accord? S'ils ne font pas de Hérouf, ils auraient interdit l'un l'autre. Parce qu'il y a une persa, c'est des Horvot. Chacun, il a un domaine, il est parous les maqam shel havero. Il n'y a pas de mechissa. Donc, hein, chacun aurait interdit l'autre. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas un tashmish clair. Elle, chez elle, l'oba petar patouah là. Et la halon. Donc, c'est pourquoi, en pirsat amchissa oseret. Donc, bien que la ruine, elle est proussa, eh bien, ce n'est pas grave, elle n'interdit pas. Au moutar, l'ishtamesh bekola, bekula. Il peut utiliser donc toute la horba qui est proche de lui. Par contre, il ne pourra pas, Reuven, utiliser même à travers sa fenêtre la melachok. Et là, les desrita. Non, pardon, toujours la même chose. Il ne peut utiliser le côté lointain de la horba qui est de son côté que en jetant. D'accord? Ok. Vehavero. Son ami ne peut pas lui interdire. Son ami ne peut pas lui interdire. Même son ami, en fait, il peut faire un. Shimon, il peut jeter de sa fenêtre quelque chose jusqu'à la chorba de Reuven, qui est à côté de Reuven. Oui? Eh bien, Falpiken, Eno Oser Alao. Donc, on voit ici qu'il n'interdit pas d'Erechavir. Bien qu'en Chol, il le fait. Chez Zorek, derrière Khavir, chez l'homme, il peut ça, à Tor Khorbazo. Le Khal, il fait ça. Oui. Shimon, il jette jusqu'à la Khorba de Reuven. Oui. Et non, c'est le Khavero, derrière Khavir. Oui. Eh bien, il n'interdira pas Shabbat. Oui. Parce que son Tashmish, il est que derrière Khavir, il n'interdira pas à Reuven. La Khorba qui est proche de lui. Son tashmish, il est que à l'idéavir. Donc voilà la preuve. Aval besmoucha la havero, loishtamesh. Afilo bizrika. Pendant Shabbat, oui. Il ne peut pas utiliser. Oui. Il ne peut pas utiliser, comment il s'appelle, notre ami Shimon, la chorba de Reuven. אבל בסמוכה לחבר לא ישתמש אפילו בזריקה. הואיל ויש לחברו בת תשמיש נוח בשלשול תמוק לחלונו. איתן עונה כראובן, il peut utiliser la חורבה דרך שלשול. Donc tout cet endroit là, toute la חורבה qui est proche de lui, lui est réservé. Et Shimon, bien qu'en semaine il jette jusque là, eh bien, comme ça תשמיש כדרך אוויר, pendant la semaine, il ne pourra pas le faire pendant Shabbat. Bon, je réfléchis. En osser à Havaro de l'Echavir, Shen lo ala tashmish eli ali d'Avir, Aval bismoucha la Havaro, lo ishtamesh afilo bizrika. הואיל ויש לחברו בא תשמיש נוח בשלשול סמוך לחלונו. D'accord, c'est pourquoi il est interdit. Très bien. Maintenant, on continue. C'est clair? Regardez maintenant le Rashi d'après. Il est important. Vaim sari asur. Le kamim mefaresh tama David aki hasuva, etc. Ve'af al gavdi kalak shuye. Rashi, comme s'il veut dire, mais attends, il y a encore un problème ici. Pourquoi? Des bols de l'aïl d'Amé, les Msa'i, finalement, tu as interdit la Horba qui est Msa'i, n'est-ce pas? Le puits, dans le cas de Shmuel, au début de la Sugya, il ressemble au cas de la Horba qui est Msa'i. Msa'i, c'est interdit. Eh bien, la même chose, a priori, dans le puits. D'accord? Or, nous, on sait qu'a priori, Rav, il est choler sur Shmuel. Parce qu'on est en train de prouver, on a cherché à prouver ça.
Alors, c'est la prochaine de Rachid. A faire gaffe des calaques chouillées, des bords de l'île d'Amil en Saï. Pourquoi? Share Shnea Batim, Smochim la Amir Amavoy. Parce que les deux maisons, les deux Hasser, pardon, les deux maisons, là-bas c'est maison ou c'était Hasser, dit Maasé. Hein? Ouais, bon, je sais pas, c'était va faire gaffe des calaques chouillées des bords de l'île d'Amil en Saï, Sharesh n'a pas dit Smochin la Vira Mavoy. Oui, Mishum Sheyesh Efset Arbaa Beno le Cholehad. Et si tu vas me dire, mais il y a un Efset de quatre Fahim entre chaque, ouais. Alors, tu as Rachid dit à Khalami, même dans le cas chez nous, du M Saï, et qu'un Efset Kol Halal Hurba, laisse les quatre Fahim de chaque côté. Tu as tout l'espace de la Horba à M. Saïd. Vekula Asura, la Zé, la Zé. Et elle est toute interdite à l'un et à l'autre. Donc la même chose, de la même manière que le milieu de la Horba, on va dire, est interdit. Le milieu de la Horba M. Saïd est interdit. Le bord qui est entre les deux bâtiments qui appartiennent à chaque cour, ouais, doit être interdit. Donc, de toute façon, Rachid dit, donc c'est ça là, mon problème. Oui, afilo rahba, afilo rahba kamam, le gabé halal amavoy, nami, l'isro a adadé, ça c'est la kushia. L'otikshé. Rachid ne pose pas de questions. Deïn, le horba, mishtam shimba, tashmishim arabe, ben besamour, ben belacho, la horba en elle-même. Je fais plusieurs utilisations, que ce soit des utilisations proches ou lointaines. Avalakha, les katashmish et la milou. Mais ici, chez nous, dans le cas de Shmuel, dans le cas du puits, l'unique tashmish que j'ai, c'est quoi? C'est remplir l'eau. C'est qu'un tashmish derech avir. Dans la horba, j'ai un tashmish derech avir en jetant au milieu de la horba imsari. Ou bien, derech shinshul, en bas de la fenêtre, dans la horba. Oui. C'est pourquoi, comme j'ai délerché le choul, j'interdis à l'un comme à l'autre toute la horba. Mais dans le cas de Shmuel, je n'ai qu'un tashmish, délerché à vir. D'accord? Avalach, alek à tashmish, la milou, yahou, à l'idée à flagat à vir arbaou. C'est en jetant à quatre tfahim, minimum. Voilà pourquoi un interdit pas l'autre. Point. Vous avez compris? Voilà comment Rashi répond à la question. Sur la question de Rashi, c'est sur ça que Tosfot, dans le premier Tosfot du Hamoud précédent, il parle. Ouais. Alors, regardez maintenant qu'on a fait ça, on a compris l'enseigne d'Urav. On sait qu'il tient que Tashmish derech avir eno oser. D'accord? On a vu, bien que la semaine il jette jusqu'à la chorba de son ami, ça n'interdit pas la chorba proche de son ami le jour de Shabbat. Que Tashmish de la Khavir ne s'appelle pas Tashmish, et on donne la Horba à son ami, d'accord? Parce que lui, il a un Tashmish à l'échoujoul, et réciproquement pour l'autre de l'autre côté, d'accord? La Horba de l'autre côté. Alors maintenant, revenons à Tosfot. Bor Sheben Shte Haserot. Vous voyez? Bor Sheben Shte Haserot, Moufleg et Mikotelze, etc. Je vais lire rapidement, parce que d'abord, au début, Tosfot, en fait, il va racoler tous les morceaux de Rashi. Ouais. Qui nous intéresse, et la question de Rashi et la réponse de Rashi. Et après, de toute façon, il va proposer lui-même deux autres tirosim, deux autres réponses à la question de Rashi. Alors, on y va. Pierre Esber Contras. Vous voyez, je suis Bor, ce soit du Bor. Pierre Esber Contras. Chez Benchte Haserot, qui a un mavoy tatan. En fait, il a rapporté ce que Rachid dit depuis le début, parce que même Ri, quand il va donner des réponses, ouais, il va même changer. Il va changer, Bichlal. Alors bon, je lis Rachid. Pires be contras. Shiyesh ben shteh haserot ki'en mavoy katan. Ve'en di yorin tuhin lo. Ve'abor be'oto efsek ze. Mosi, Mosi ziz kol sheo, ad lebo, ou même à l'aide de l'échalono. Vechen ze, de kiwan de moufler et arbaa, l'eau chaltebe le sor ze abze,
ומשום שיהיה רשות שניהם במבוא נמי לקה, שאין דיורים פתוחים, là, il veut dire, il y a pas de porte pour pouvoir passer de manière normale. שאין, comme le Shilla dit, שאין דיורים פתוחים לא לעשות ולבוא ברגל. ואין משתמשים בו, אלא דרך אוויר. עובדים עוד אפילו זיזנה מילו נבעי. אלא משום הכר בעלמה שלא השתמשו ברשות אחרת, של שניים בלו עירוב, משום אחים מתקנעך פורטה, ויגיל, ולרב, ולרב לא צריך שום תיקון, דן אדם עושר על חברו דרך אוויר. Et bon, ça, c'est le début de la Sougia. En fait, il a rapporté le début de la Sougia avec Chitatra. Erashi, Eksha, Be'asmo, Be'samour. Erashi, lui-même, il a été marché à côté, enfin, dans la Moucheni. Gabé, Shne, Batim, Ushalosh, Horba, Horbot, Benehem, Demsaï, Asour. Omokila, De Kaime, Ki, Hasouva. On va l'établir qu'on parle que c'est comme Hasouva, donc un trépied. De Chiechi, Demsaï, Bekulo. Puisque chacun peut utiliser les quatre fahim à côté de lui, donc toute la khurba msa'it est interdite, d'accord, à l'un et à l'autre. La même chose, on aurait dû interdire dans l'histoire de Shmuel, parce que chacun peut utiliser les quatre fahim qui lui sont proches, en dessous de la fenêtre. Et donc, si le mavoy est interdit, comment c'est possible de pouvoir autoriser, de l'épuiser de l'eau? Voilà la couche que Rachid lui-même a posée. Vetires, ce soit de rapport de Jérusalem, c'est bien. On est en train de tout répéter la chine. Vetires, on fait Hazara. Vetires, de l'odami. De l'orba mishtamshimba nami besamour. Il a de l'air d'utiliser aussi à côté, en bas de la fenêtre, de l'air chilchoul. Avalacha, bemavoyle kachontashmish, elle a mille nouilles. C'est vrai qu'on peut utiliser dans les quatre varimes, on ne le fait pas. L'utilisation essentielle qu'on a, c'est épuiser de l'eau. Et la milou, il veut voir l'idée à flagat abir alba. Et ce milou, il se fait qu'au-delà des quatre tfahim de chaque côté. Voilà la réponse de Rashi. Verim et Faresh. Rashi l'explique autrement. Verim et Faresh, qui gon, chez Zéabol, Moshech, kol orech, ahaserot. Le puits, en fait, il longe toute la longueur de la cour, des cours. On m'a fait ben shneas mochim, ben arbas mochim la chaser zol, arbas mochim la chaser acheret. De hachiv kol hadre shuta le nefshe. Alors, regardez la photo solori. C'est la photo 53. Dit Jonathan. Tu es là. Mais tu n'es pas du tout, tu n'es pas du tout. Page 56. 53. Très bien. Alors, c'est quoi la réponse de Ri? Toute la raison pourquoi un interdit l'autre, parce que chacun a un tachmiche de quatre fahim. Mais comme le puits, maintenant, il sépare entièrement les deux cours, cours de chaque côté, donc les quatre fahim de chaque côté, donc chaque quatre fahim, il est isolé. Chacun est isolé. Voilà pourquoi un n'interdit pas l'autre. Vous avez compris? Voilà pourquoi, selon Ri, un n'interdit pas l'autre. Que dans ce cas-là, quoi. C'est ça, le cas dont on parle. Mm-hmm. Le cas de Shmuel, c'est celui-là. C'est-à-dire que selon Ri, si ça avait été le cas de Rashi, ça aurait été un problème. S'il n'accepte pas la réponse de Rashi. Bon, il n'a pas été marché dessus. Hein. Il a juste rapporté un autre pirouche. Très bien. Donc, encore une fois, dans les mots, Veri, mais Falash, qui gonne chez eux, aborde ce puits-là, Mosher, Kol, Or, et Chachaserot. Et donc, il fait séparation entre les quatre Asmochim la Haserze et l'Arba Asmochim la Haserze. C'est eux qui font l'interdiction, en fait.
Très bien. Deuxième explication de Ri. Inami omeri kegon sheoto efser sheben shte haserot sheabor omed sham eno reshut yahid ella reshut rabim o karmelit. Rashi, on va l'expliquer que c'était un mavoy, un reshut yahid, etc. Vous vous rappelez? Rashi l'avait expliqué ke'en mavoy katan. Non, 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 non. Dis, Ri, c'est pas ça, c'est pas ça. Auto-Efzer, c'est l'espace qu'il y a entre les deux cours dans le cas de Shmuel, oui, où, là où se trouve le bord. Eno reshut yahid, et la reshut arabim. Pas comme la Chie a expliqué, c'est un reshut yahid, c'est un reshut arabim, ou bien carmélite. Au mechisot d'abord, gvoim asara, et les mechisot du puits, ils montent jusqu'au dit fahim. Et donc, du coup, quand chacun il utilise le seau pour jeter dans le puits, puisque le puits il a une hauteur de Ditfahim, il va passer que dans le Makom Ptour, ça veut dire l'air qui est au-delà de Ditfahim. D'accord? On verra dans la Soga un peu plus tard. Regardez la photo 54. La photo 54. Voilà comment Ri répond d'une deuxième manière. Ah, moi, tu vois mon image? Oui. Très bien. C'est bon? Ok. Donc en fait, la réponse c'est quoi? Personne n'utilise des quatre fahim. Il n'y a aucune utilisation des quatre fahim du tout. Chacun utilise que des lettres avir. D'accord? Même s'ils utilisent, de toute façon, ils n'utilisent que des lettres avir parce que pour pouvoir tomber dans le puits, c'est un shtuahim du financement. Ouais, et c'est haut de dit fahim. Donc tu n'utilises que le bakom pturbet. Très bien. Voilà, on a fini donc ce Tosfot. Dernier Tosfot du Hamoud Arishon, Shne Batim Veshalosh Chorvot Beneim, Kiresh Bekontras, Shen la Chorvot Be'alim, Ela Bene Abatim Aele. Donc selon Rashi, je ne l'ai pas dit, selon Rashi, dans les ruines qu'il y a entre les maisons, il n'y a pas de propriétaire. D'accord? Il y a Reuven qui habite d'un côté, Shimon qui habite de l'autre côté, et les trois Chorvot qui sont au milieu. Rashi dit, la chorvot be'alim et la bna batimel. Il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de propriétaire. Mashma de Savar, deim yesh lahem be'alim. On dirait que Rashi pense que si Bremet y avait des propriétaires, de osrin otan be'alim al bna batim, afregade, enam osrin et te haser, et en bavosh, et pahim lahem, de chamanan kerabiouda, de baib, de betate, venen oser. Donc Rashi serait en train de dire, c'est vrai qu'on tient comme Rabbi Yehuda que Bet HaTeven n'interdit pas. Une chorba n'interdit pas dans un chaser. Elle n'interdit pas. D'accord? Mais, même si elle n'interdit pas, eh bien, quand même, elle n'interdit pas le chaser, mais elle m'interdit à moi, Reuven, de porter de ma maison à la chorba. Ça veut dire que la chorba, s'il y avait des propriétaires, je parle, hein, la chorba avait des propriétaires, elle a une double personnalité. D'un côté, elle ne va pas interdire le chasser, d'accord? C'est une chorba, n'habite pas. Mais de l'autre côté, c'est un réchoud du finir. Moi, elle va interdire à moi qui habite là-bas de porter de ma maison à la chorba. Donc ça sort de la chine. Si la chorba elle avait des propriétaires qui n'étaient ni Reuven ni Shimon, de osrin otam be'alim al bnei abatim, virgule, ça c'est une facette. Bien que la deuxième facette c'est quoi? Afalgav de'en amosrim et hazer et amavosh et prahim lahem. D'où tu sais? Parce que chaimarat kelab yuda que bet teven en oser. De même au bepir kinami parce que n'est kelab Shimon d'amadira belo be'alim lo shmadira. Une dira sans une personne qui habite là-bas, bien que ça appartienne à quelqu'un,
Eh bien, ça n'interdit pas. Ça ne s'appelle pas dira. Mikolmakom betocha mia souleteltel. À l'intérieur de la chouba, de ma maison à la chouba, je n'ai pas le droit. Voilà ce que pense Rashi. À la fin de Tosfot, il va dire je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, c'est quoi cette double identité? Ou tout ou rien. D'accord. Obesof Adar, Piresh Ken Be'adj. Rashi, il aurait expliqué comme ça, à la fin du Perek Adar. Gabé Dilma Atila pour Kemane des Batim Nechorba. Là-bas, la Gemara a dit, je crains peut-être que tu vas faire sortir les objets de la maison vers la Chorba. D'accord, c'est l'histoire avec Rabbi Yohanan là-bas. La Chine a expliqué, Piresh, parle les chutes à Haïti. La Chorba, c'est un autre chute. C'est-à-dire, il y a des Berlim, mais ils ne sont pas là. C'est un autre propriétaire. Et c'est un problème de faire sortir vers la Chorba. Donc, tu vois bien, comme j'ai dit, Rachid, ça suit sa chita. D'accord? Bien que la Chorba n'a pas besoin de s'investir dans le Elouv ou dans le Chitouf. Elle n'a pas besoin de s'investir. Donc, tu vois bien que la Chorba, elle a une double identité. Voilà, le chute à Haïti, chez la Berlim, au Bémavo et l'Onishtat, chez Naoseret, qui dit Tanya Léaïl, et Naoseret, et la Makom Djira Bilvad, d'ailleurs, nous Makom Pita, Makom Lina. Tout ça, c'est Rachid qui a expliqué. Chorba, ce n'est pas Makom Dira, Makom Lina, donc ça n'interdit pas. Mais de l'autre côté, tu n'as pas le droit de rentrer quelque chose dans la Chorba, de ta maison vers la Chorba. Donc, ça suit bien cette optique-là. Et à Shalin, on a fait les tamets de sa mouklo, à Fabish, yesh la havero, kemoken, helerba, et nos ser alze, qui vont chez gam la ze, yesh helerba, j'aime, je te fais, je te fais, venant si vous êtes alze, t'as mouchim, qui vont. Et ce qu'on a autorisé ici, d'accord, on a autorisé ici, donc on a dit qu'il n'y a pas de Berlim, c'est pas de Berlim, ça appartient aux deux alors. Alors pourquoi chaque Chorba qui est proche, elle est autorisée aux proches, d'accord, et la Chorba qui est lointaine n'est pas autorisée, pourquoi? Ce qu'on a autorisé ici, d'utiliser la chorba qui est proche de toi. Il n'y a pas de propriétaire ici, rappelons. Afalpish, il y a la chavero qui moquait le chelba. Il n'y a pas de propriétaire, oui. Eno oser alze. Il n'interdit pas sur celui-là. Pourquoi? Kiwan shigam laze. Donc, ils sont deux propriétaires. Kiwan shigam laze, il y a le chelba. Dishnem, shutafin, bishtoshtam. Venam aussi, mes alze. Imas mouchim, et etas mouchim, pardon. Kiwan, dawe laze, tashmisho benachat, laze, tashmisho bekaché. Parce que, un, il a un tashmisho léger, facile. Et l'autre, Bekaché, il faut qu'il joue au basket pour jeter d'une maison jusqu'à la Chorba qui est tout au fond. Donc, ça s'appelle Teshmisho Bekaché. Au Bishtek Zustraot, des Sof Pirkin. Donc, Tosfot fait référence à une autre Sugya qu'on verra à Bézat Hachem plus tard dans la Perret. Au sujet de Bishtek Zustraot, des Sof Pirkin, à Soula Tartona, quand ils ont fait, vous vous rappelez les deux Zustraot qu'on a vu tout à l'heure avec Rav, s'ils ont fait aussi un mechissa dans la tartona, sous la tartona, dans ce cas-là, ils vont se détacher la aliona de la aliona, la tartona de la aliona, et donc chacun peut utiliser sa mechissa. Soit tu veux dire que ça va toujours dans le même sens, là aussi. C'est vrai que quand on a fait que la aliona, comme on l'a fait bishutafut, moi, la tartona et la aliona, on avait un droit sur la Mechissa Aliona, qui est dans la Gzusa Aliona. On interdit l'un l'autre, on a dit. Mais une fois qu'on a fait celle d'en bas, alors on se sépare, on s'est séparé de celle, mais ça ne dure que mal là-bas. On s'est séparé de celle du haut pour utiliser celle du bas. Asu la tartona, silkun afshayu me aliona. Venosrin et aliona, ça ne piche, asu ta bishtafut, tu es ta halaba, bien qu'ils avaient. Donc on voit bien qu'il y a un halaba. Ouais, il se peut que quand un tachmish qui est à toi plus personnel, tu n'interdis pas l'autre. Bien que tu avais une chutafout. Là aussi, bien qu'il y ait une chutafout la lointaine, eh bien, il n'interdit pas. Il a son tachmish ici. Très bien. Tout ça, c'est Shitat Rashi. Maintenant, en ira l'eri. La asot jira belo be'alim, jira la hasayim. Lui dit, ça ne me plaît pas ça, de dire qu'une jira belo be'alim, comme Rashi le dit, c'est une dira la chassaïn. D'un côté, les sols, les taltels, betocho. D'un côté, ça interdit pas le chasser, ma voix. De l'autre côté,
et assur le taltel betocho. Alors, qu'est-ce que tu veux, Ri? Ri dit, moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a des habitants, il y a des propriétaires. Romeri, d'ya d'amnun besof adar, d'ilma atil apuk emane de batim le cholba, maïri de cholba ptoucha la bait. Romeri, je te bait patouar le sada her, ou non la guide de ma voix. Le car, elle m'a voix, il t'a belé, il m'a pas la mishum bait, elle a mishum cholba. Romeri, chapir acha, be chorvot, chiesh la embe alim, mais qui vend de l'odeur, il be ou l'oas. Commençons par la fin dans Tosfot. Tosfot, ils disent ici, on parle d'une chorba, même s'il y a des propriétaires, ils ne sont pas là, ils n'interdisent pas, ni ils interdisent, haser, mavoy, et on peut aussi porter. D'accord? Lo asrekla. Mais Rashi, il a amené une preuve. C'est quoi sa preuve? Cette histoire de, d'un père Kadar là-bas, au sujet de la Gemara, quand la Gemara a dit Dilma a-t-il la pour émaner des bâtiments la Horba. Oui. Comment tu fais avec cette Gemara, Ri? Alors, c'est ce que Ri va tout de suite essayer d'expliquer. Romeri, Déa, Dermin, Besof, Adar, Dilma a-t-il la pour émaner des bâtiments la Horba. Maïri, Behorba, Ptoucha, la Bait. En fait, cette Horba-là, elle appartenait à un propriétaire. Elle Ptoucha à une maison. Alors tu vas me dire, si c'est comme ça alors. Alors qu'est-ce que là-bas, Rabbi Yohanan, il dit, même s'il y a une chorba, ça, c'est bon, on peut faire l'Echi Bekora. Il y a une maison aussi. Non, mais cette maison-là, oui, Rabbi Yohanan, il a dit, même s'il y a un chassad d'un côté et un chorba de l'autre côté, ça marche. Et ici, il y a aussi une maison, on est en train de dire. Non, mais cette maison-là, elle n'utilise pas ce mavoï-là. Elle a l'habitude de elle est connectée à un autre mavoï, d'accord, de l'autre côté. Elle a l'habitude d'utiliser l'autre côté, pas le côté de ce mavoï-là. Donc, la maison en soi n'interdit pas. Mais il y a une chorma qui est collée à ce mavoï-là. Voilà ce que dit Rabbi Yohanan. « Omaïli shioto bait patouach lesadacher veno ragil ba mavoï. Ulkach ena mavoï nitar belechi mekora mishum bait ela mishum chorma. » Soit que la maison ici ne rentre pas en compte. « Omaïli shapiracha bechorvot sheesh la embe alim et kune de la demeure olas répond. » Donc, en résumé, ça sort qu'il y a une mahloket entre Rashi et Ri. Selon Rashi, si la chorba appartient à quelqu'un, alors on n'aura pas le droit de porter de notre maison à la chorba. Bien que cette chorba-là, si ce quelqu'un-là n'est pas présent, il n'interdit pas le chasser, etc., on n'aura quand même pas le droit de porter. Selon Ri, même si elle appartient à quelqu'un, s'il n'est pas présent, on peut porter. Voilà, en résumé, la mahloket qu'il y a entre Ri et Rashi. On continue la Gemara d'Afpehe Amoucheni. Yachiv Rav Brona. Le Kamal et Hashmata. Rav Brona, il était assis. Il a répété l'enseignement qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'enseignement de Rav avec les trois chorvot. Ouais, chacun utilise la chorva qui est proche de lui et la chorva du milieu est interdite. Amal et Rabbi Azar, Barberav, Amaravachi. Rabbi Azar lui a dit, dis-moi, Barberav. Ouais, t'as mis des Shiva, quoi. C'est vrai que Rav a dit ainsi. Amaléin, il a dit oui. Ahwele ou Shpizé, dis-moi où est-ce qu'il loge. Chez quel hôte. Ahwele, il lui a montré. Il est là-bas. Atal et Kamede Rav. Rabbi Azar, il est parti voir Rav. Amalé, Amar Morachi. C'est vrai que tu as dit ça. Amaléin, il a dit oui, j'ai dit ça. Amalé lui a dit, et Amor ou de Amal a zébé, chilchou le lazé, bizri kach ne nasurim. Mais toi-même, Rav, tu as dit par ailleurs, lazé, bishilchou le lazé, bizrika. Si l'un il utilise bishilchou et l'autre bizrika, les deux c'est interdit. C'est quoi la question? Regardez Rashi. Et Amor ou de Amar, vechoule, alma. Attendez, avant ça, il faut faire le Rashi d'avant. Amar Ravachi, Bitmiya, ça veut dire l'étonnement de Rabbi Lazar. C'est quoi? De Rabbi Lazar, ça va. Mais de Amar Rav Emsaï Asur, Rabbi Lazar a compris. Étant donné que Rav a dit que le Emsaï, utiliser la Chorba Emsaï, c'est interdit. Asur. Bien qu'il y a un navire pour utiliser, il faut un navire. Wesh Mamina, j'apprends donc de là. Adam Osser al-Havero de l'Echavir. C'est-à-dire, allez.
Ça veut dire que, puisque la Hurba Emsaït est interdite, ça veut dire que tu penses que Adam Oser Derechavir. Vetama de Smokhin Mutari. Et c'est quoi la raison alors pourquoi Smokhin s'est autorisé? Mishum de Tashmishan Kasher Hisoni. Parce que le Tashmish, il est dur pour les extérieurs. Vous avez compris? Vous avez trois Horbot. Une, l'un, deux, trois. Au milieu, chacun a le même Koah. Alors, un, il interdit l'un l'autre. Comme ça, il comprend Rabbi Lazar. Pourquoi il interdit l'un de celle du milieu? Alors, vous allez dire, pourquoi celle-là, elle est interdite à celui qui est là et celle-là interdite à celui-là? Parce que c'est un tachmiche dur de jeter de là à là. C'est dur. Alors que lui, il a un tachmiche facile. Et de la même chose, de là à là. C'est dur. D'accord? Voilà comment Rabbi Lazar, il a compris la chita de là. Et sur ça, il lui pose la question, maintenant, le rachid d'après. Donc, bien que Shilshul, c'est plus agréable que Zrika, comme Shmuel d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi Shmuel pense que Shilshul, on le donne à celui qui est Béchilshul. D'accord? Puisque ce n'est pas quand même un pétard, toi tu penses à là. On l'autorise à personne. Alors, si c'est comme ça, Achanami. Mais Achal de Eno Kepet, Arlo Lazé, Venolazé. Les deux Horbot extrêmes, bien qu'elle est agréable à l'une et difficile à l'autre, chacune. Donc, celle-là, elle est agréable à celui-là et difficile à celui-là. Et celle-là, elle est agréable à celui-là, mais difficile à celui-là. Toi, tu t'en fiches, toi. Toi, Rav, tu t'en fiches. Tu devrais interdire alors. Alors, répond là, Amale misavra de kaimekeshura, lo de kaimekehasuva. Quoi, toi, tu croyais qu'ils étaient en rangée, les horbot? Les ruines, elles étaient rangées, ouais, l'une à côté de l'autre. Tu as compris tout ce que tu as compris. Et donc tu te poses une question sur mon psa. Non, les horbot, elles sont en triangle. D'accord? Donc, la raison, les alam, Tashmisho, Delechavir, Eno, Oser. D'accord? Chacun, il a sa chorba à lui. D'accord? Et la chorba qui est commune aux deux, d'accord? Eh bien, celle-là, elle est interdite aux deux. Quoi? C'est clair? Je fais Rashi. Regardez Rashi. Lo de Avida Kehasuva. Les trois, elles sont proches des maisons. L'amsari, elle va de la maison 1 à la maison 2. C'est ça, l'amsari. D'accord? Ilkar, asmukhin mutari. Den adam osala havelo de la khabir. C'est pourquoi les horbot qui sont, les deux horbot qui sont au milieu, chacune est autorisée à la maison qui lui est proche. Parce que l'autre ne l'interdit pas, parce que l'autre, c'est un tachmish d'Erechavir qu'il a en semaine. OK? Par contre, l'Emsari l'interdit aux deux. Pourquoi? Les deux, ils peuvent l'utiliser d'Erechilchoul. Et donc, c'est un chou des deux. Donc, c'est pourquoi ils interdisent l'un l'autre. Continue à la chie. ואף על גב דשתיים הסמוכות פרוסות לאמצעי האוסר. Rachid dit, je ne comprends pas. Et pourquoi on autorise les deux qui sont au milieu, les deux horvot? Parce que les deux horvot qui sont au milieu, elles sont prusot à la horba du milieu, qui elle est interdite. Donc, ils sont prusot à Makom, qui est interdit aux deux. Donc, ça doit contaminer les deux et les interdire. Rachid dit, on ne va pas jusque-là. Pas être mahmir autant. Va falloir garder les deux masmouchot prusot les emsari à oser. Lo achmor abanan même comme chez notre tashmish gamur. Quand il n'y a pas vraiment un tashmish gamur, on va pas interdire chez Yassoum Mishum Parous. On va pas utiliser le Yassoum Mishum Parous quand c'est pas vraiment un tashmish gamur qu'il y a là-dedans. Point. Très bien. Fin de la soubia. Pas vraiment, mais de la même radora. Amalé Rav Papa, le Rava. Continue la Gemara. Dire à papa Rava, les Mashmuel et les des Rav Jimmy, est-ce que ça veut dire que Shmuel ne tient pas ce que dit Rav Jimmy?
Oui. Les Mashmuel et les Korak, ce qu'il a dit Rav Jimmy. Des créateurs, Rav Jimmy, Amar Rabbi Yohanan, Makom Shen Bo Arba'a L'Arba'a, Moutal Ibn Rishutarbim, Vivne Rishutarbim, Vivne Rishutarbim, Katef Alaou. Au Bilvad, Shelo Yachalifu. Rav Yohanan nous a dit, Rav Jimmy, au nom de Rav Yohanan, nous a dit, un endroit, qui est dans Rishutarbim, qui n'est pas 4 sur 4, ça veut dire qu'il a une hauteur de 3 Tfahim, bon, mais qui n'a pas une largeur de 4 Tfahim sur 4 Tfahim. Les gens de Shuter Abim et les gens de Shuter, ils ont le droit de déposer leurs marchandises sur cet endroit-là, pourvu qu'on ne passe pas du Shuter Yahid, cet endroit, au Shuter Abim, ou réciproquement. Shuter Abim, ce Makom-là, qui s'appelle Makom Tour, oui. D'accord? Au Rishuta Yahid. Ça veut dire que Shmuel, est-ce que ça veut dire que Shmuel n'est pas d'accord avec ce principe de Rav Dimi? Ça veut dire quel rapport? Quel rapport Shmuel et Rav Dimi? Regardez Rashi. L'etlé de Rav Dimi, de Hamakom, She'en Bo Arba'a. Kiwan de l'etbe shio makom anahajide, la anaha, chen shio makom, pardon, anahajide, la anahai. Vareu ke avir be alma. Donc, étant donné qu'il n'a pas 4 fahim sur 4 fahim, d'accord? Alors, ça s'appelle avir. Et si c'est avir, donc on est en train d'autoriser, on a le droit d'utiliser le shtéhi, le shtérabim, vers ce avir-là. Oui, et il n'exige rien comme Tchikoun, aucun ziz ou quoi que ce soit. Ou Shmuel, et par contre Shmuel, Avir, il exige au Saad ziz. Voilà la question, encore une fois. Quel rapport Rav Jimmy et Shmuel? Ça, c'est la question. Quel rapport Rav Jimmy et Shmuel? Shmuel, il a interdit Tashmish derech Avir que si tu fais un ziz. Rav Jimmy, il autorise Derech Avir. C'est qui ici Derech Avir? C'est qui? C'est le poteau qui n'a pas 4 sur 4, qui est haut de 3 de farine, mais pas 4 sur 4 de surface. Donc c'est comme, c'est ma contrôle, donc c'est comme Avir. Et là-bas, il autorise Rav Jimmy, au nom de Yohanan, sans aucun tchikoun. Donc il autorise Tashmish Derech Avir. Shmuel interdit que si tu fais un tchikoun, et Rav Jimmy, au nom de Yohanan, autorise sans tchikoun. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont cholkim l'un avec l'autre? Ça, c'est le pirouge de Rashi. Ouais, de toute façon, il est d'accord avec le pirouge de Rashi. Et il dit que Rabbi Noutam m'explique autrement. Il n'a pas expliqué comment. Mais le pirouge de Rabbi Noutam ne le plaît pas. D'accord. Comment la Gemara répond? La Gemara répond non. Atam les chouyot de Oraita, Akhar les chouyot de la banane. Le Hachamim a son chizouk de Divrehem, Yotel Michel Torah. Donc la Gemara répond, le Olam Shmuel d'accord avec Rav Jimmy, au nom de Yohanan. Pourquoi dans le cas du poteau, il n'y a pas besoin de Ziz, ou un écart quelconque? Parce que là-bas, c'est du Shutahid au Shutahabim. C'est des choses qui sont de Oraita, Shutahid au Ziz, Shutahabim au Ziz. Et les gens, ils vont faire attention. Mais ici, chez nous, dans le cas de Shmuel, où le bord se trouvait dans un Reshut Hayachid, comme il expliquait Rashi, ouais, se trouvait dans un Reshut Hayachid, donc là, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi Hachamim, ils ont été stricts dans Tashmish Derech Avir, encore plus que d'Oraita, dans un Reshut qui est Derabanan, d'accord? Chez nous, ils ont été stricts dans Hachamim. Donc, Hachamim a son chizouk le divrehem yoter Michel Torah. Voilà la triade de la Gemara. C'est possible que Shmuel est d'accord avec, soit d'accord avec Rabbi Yohanan. Je lis tout de suite quand même les Mashmuel. Donc, tout de suite, ils vont répéter ce qu'on vient de dire, plus ou moins. Les Mashmuel, les clés de Rav Jimmy, Pirush Rashi, Nir'ayitan. On dirait que selon Rabbi Noutam, on ne revient pas sur le Shmuel qui parle au sujet de Borsh et Ben Shtehaserot.
pas qu'on comprend des paroles de Tosfot, mais je ne sais pas ce que Rabbi Yonatan m'explique. Il faut chercher. Mais ça, Madot et Lishonim t'ont dû rapporter son pirouche. Bon, puisque ça dit des rabbanan, alors si tu ne mettais pas un ziz, alors les gens venaient apporter d'un hasel à l'autre hasel, même s'il n'y a pas de hérouf. On continue la gmara. Amar le ravina. Les Rava, mi amar Ravachi, est-ce que Rav a dit une telle chose, quoi? Que en Adam oser derech avir, la havero derech avir? Oui? Est-ce que Rav vraiment il pense comme ça? Pourtant, ve'aitmar, shne batim ou shte gagot, comme vous voulez, mi shne sider le shutarabim. Rabba barachana amar Rav asul izrok mizelaze, ou shmoel amar mutal izrok mizelaze. Laissons Shmoel de côté pour le moment. Voilà, il dit quoi? On n'a pas le droit de jeter d'une maison à l'autre. Regardez la photo numéro 60. Ouais, tu t'attends, tu l'as? Tu vois, c'est laquelle exactement? C'est celle-là. Exactement. Donc, je n'ai bâti. Rav, il dit, tu n'as pas le droit de jeter. Donc, les deux lui appartiennent. Ouais. Si les deux ne lui appartiennent pas, il y aura un problème. Il n'a pas le droit de se ressortir d'un réchute à Yahid, d'un autre réchute à Yahid. Là, les deux, c'est à lui. Il va jeter, je ne sais pas moi, quelque chose d'une maison vers l'autre maison. Rav, il interdit. Oui. Assur, l'Israq, Mizé, Lazé. Il dit, c'est ouais, il est petit, le réchute arabim, quand même. Hein. Bon, là, ok. Ah, il est petit, le réchute d'Arabim, là. Il est étroit. Bon, il voulait faire plusieurs photos dans un même, une même rangée. Non, mais c'est un grand lanceur, alors. Ouais. OK. Donc, un sol, il se l'a. Quel rapport? Quel rapport, l'histoire à Adam Osser d'El Khavir? Rashi, là, encore une fois, on ne voit pas trop bien le rapport. Regardez Rashi. שני בתים של אדם אחד אסור לזרוק ואף על גב דחי סגי באוויר רשות הרבים למעלה מעשרה כסגי הרי שיקספיק bien que bon, le bonhomme quand il jette il est en train d'utiliser le avir de רשות הרבים qui est au-delà de Ditzachim c'est-à-dire מקום טור il utilise ce avir là וכאמר דאוסר עליו ce avir là le רשות הרבים on est en train de comprendre comme ça là. Le Rishut HaRabim, il est en train d'interdire ce avir-là. Le Tamar de Oser Alav Aviran, chez le Bnei Rishut HaRabim, bien que le Rishut HaRabim n'a pas un tashmish dans ce avir-là, il est interdit quand même. Donc tu vois ici que le Rishut HaRabim, ouais, Osrin, pire encore, Derech Avir. Ils n'ont même pas Derech Avir, ils interdisent quand même. D'accord. Wow. Donc on voit que Rav, il est marmir de la Khavir, Tashmish de la Khavir. Si déjà les gens du Rishut HaRabim ils interdisent le Khavir qui est au-dessus du Rishut HaRabim, quand c'est quelque quand tu as un Tashmish de la Khavir que tu devrais interdire. Chlori, j'aurais dit ça. D'accord. Très bien. Donc, Amalé Ravina le Rava, mi Amaravachi, veit machne bati, mi chne sider shtarabim, rabba, barabba, rahana, marava, sol, izra, mizera, zé, shmona, mamuta, izra, mizera, zé, dere, chagav, on a une couche encore plus forte contre Shmuel. On sait que Shmuel l'autorise. D'accord? Mettons Shmuel de côté. Amalé, lao miokim, na demi de had, um tatehan, zinin de mingender, benafil, wa tile touye. La base, la raison, c'est pas parce que tu utilises des rechavir et le Rishut HaRabim l'interdit. C'est pas du tout ça la raison. C'est parce que j'ai peur, comme il y a un en haut, l'autre en bas, c'est de ça qu'on parle. Mi okimna, n'est-ce pas qu'on l'a établi? Ah ben là, mi okimna, ne l'a-t-on pas établi des midli hadum tatehad? Un il est vers le haut et l'autre il est vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle, comme ils sont pas alignés, il y a de fortes chances que l'objet que tu vas jeter va pas tomber
dans l'autre maison, mais il va tomber par terre et tu vas venir le chercher dans le chute à la baie. Voilà la raison pourquoi Rav interdit. Alors dit Rashi, très bien, tu as défendu Rav, mais Shmuel, comment ça se fait qu'il autorise? Comment on fait avec la question de la Gemara? Shmuel, lui, l'interdit, Tashmish del Khavir. Répond. Alors, on peut répondre déjà de deux manières. Rashi va répondre d'une manière, après on verra tout ça. Rashi, regardez comment est Rashi. Rashi demidli had umtate had. Au milieu de Rashi, ou les Shmuel d'Amar mutala kashia. Jidea jide. Il n'y a pas de kushia. Pourquoi l'autre? Pourquoi? D'Amar damozan havelo del Khavir. Dea. On a déjà dit en haut, donc Rachid utilise une réponse que la Gemara a déjà donnée. On a déjà dit en haut que quand c'est un reshut de Oraïta, oui, Shmuel est d'accord qu'on n'interdit pas Tashmish de l'Echavir. Et là aussi, en l'occurrence, c'est reshut Arabim, Shtu Yahid. Donc c'est reshut de Oraïta. Donc le Tashmish de l'Echavir n'est pas interdit. C'est-à-dire le reshut Arabim n'interdit pas donc ce. À Vira. Voilà la réponse de Rashi. Tosfot Omi Amar Achi, il rapporte aussi le pirouge de Rashi, mais par rapport à la question de Shmuel à Shmuel. Mais avant ça, il va rapporter une réponse qui est à lui-même. Regardez Tosfot. Omi Amar Avachi, pirouche. Den Adam Oser al Havero de Rechavir. Parce que le tashmish ici du Rashut Arabim, il est faible. Un tashmish d'Avir, le tashmish d'Avir ici, d'Acha, il n'est pas Hashif Kaïdirai. Ce n'est pas comme le tashmish d'Or. D'ailleurs, même la question, on l'a fait à partir, comme Rashi l'a dit, Afalpish chez elle, la M qu'un tashmish. D'accord? Les gens du Rashut Arabim n'utilisent pas BM. Donc, Shmuel, il peut se défendre facilement. Quand est-ce que je t'ai interdit? Quand tu es Mesham, tu utilises ta chemise de la Khavir. Mais là, je te dis, mais ils n'utilisent pas. Donc voilà pourquoi ça n'interdit pas. Aval les Rav, pas dire Mikol Sheken. Selon ça, Rav, la question, elle est Mikol Sheken. Rav, tu as interdit, même lorsque le Shutanabim n'utilise pas le Khavir. Oui, Kol Sheken, lorsque on l'utilise, jette. Comme la Chine dit à Falpi. Après, il rapporte le Tulos de la Chine. Ouais, tout ça d'après, là où Mio Kimna, ce sont ils disent que même dans ma faire Shabbat d'Afsadizaïn, Perek Azoret, on a établi qu'on parle de ce cas-là. Donc, les deux maisons, ils sont décalées, d'accord, en hauteur. Décalées en hauteur. Mokila Ahri, Mishum, Pircha, Ahariki, à travers une autre question. Pour ça, caché. Et ce sont ils disent, j'ai quand même une petite question ici. De Atam, Nami, Khamar, Vela, Omi, Okimna. Là-bas, la Gemara aussi, elle dit, Vela, Omi, Okimna. Bizarre. Pourquoi tu dis là, Miokimna? Quand tu dis là, Miokimna, ça veut dire qu'on a déjà établi autrement. Comme ça. N'a-t-on pas déjà établi de cette manière-là? C'est où l'autre endroit? Bah, tu vas me dire, c'est notre Mara à nous. C'est dans notre Magara à nous. C'est aussi écrit là, Miokimna. Donc, c'est où le limout premier, on va dire? C'est là ou c'est là-bas? Dans les deux, on a dit là, Miokimna. C'est ça la prochaine chose. D'accord? Très bien. Allez, nouvelle Mishnah. Matnitin. Anoten et Airuvo, Bebetchar, Aksadra, Omir Pese. Et non, Airuv. Donc, le Tana de Mishnah nous dit celui qui met son Airuv. Alors, regardez la photo. Il ne reste plus beaucoup de photos là. Photo 61. Très bien. Ça, c'est un Betchar. Béchar, où les gens ils passent avant de rentrer dans leur chasser, ils traversent le petit portique, là, ouais, la petite demeure, là, ouais, l'entrée. Montre-le avec ton doigt, avec ton Jonathan, en parlant. Oui. Là, Amos. Ça, c'est le Béchar. C'est le petit préau, là, la petite entrée.
Alors, Donc, c'est quoi ça? celui qui met son hérouf, bébé de char, là-bas, en général, on met un gardien pour qu'il fait une garde. À noter un téléphone, celui qui met le hérouf du hasser dans le bébé de char, ou bien dans une arsadra. C'est la photo d'à côté. Regardez, c'est quoi une arsadra? Un préau, pas une maison. Voilà. Regarde, Amos. Donc, il met là-bas le hérouf. Des belles images, hein? Ça ne nous explique pas trop ce que ça veut dire une arsadra. Voilà, c'est ce qu'il y a en face. Au fond, il y a la maison. Ah, c'est la porte en fond. Okay. Là, c'est un préau, quoi. D'accord, un préau. Au mirpeset. Mirpeset, vous savez, c'est quoi. D'accord. Et non, hérouf. Ce n'est pas un hérouf. On doit mettre le hérouf dans une maison, dans la cour, mais pas dans ces lieux-là. D'accord. Il faut que ce soit un endroit où on habite, habitable, où on habite. De même, celui qui habite dans l'Arsadra, dans le Betchar ou dans la Mirpeset, ouais, il ne l'interdit pas. Il n'y a pas besoin de donner un Hérouf. On ne le considère pas comme. Ce n'est pas là. Exact. Oui. Bet Teven ou Bet Bakar ou Bet Aïsim ou Bet Osarot. Si maintenant on a dans la cour une pièce. Et nous, Seralav, ça veut dire ça marche ou ça ne marche pas pour lui? Il n'interdit pas, il n'a pas besoin d'investir quoi que ce soit. Il n'interdit pas. C'est comme si qu'il est absent, ce monsieur. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'a pas besoin de donner de Hérouf. Pourquoi ça ne marche pas? Il n'a pas besoin de donner de Hérouf, ça veut dire que ça ne marche pas? Ah, il n'a pas besoin de donner de Hérouf, lui? Ouais. Même s'il habite là-bas. Il ne m'interdit pas. Quand on disait viser au Seral, s'il y a un Israël, au Seral, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Donc, cette personne qui habite dans le char, il n'est pas considéré comme Israël pour qu'il interdit à l'autre. C'est ça que tu veux dire? Ouais, le mot Israël, il m'embête un petit peu, il n'est pas considéré qu'habitant Israël. Voilà. Très bien. Beta Teven, une pièce où on engrange là-bas le foin, ou Beta Bakar, ou bien on met là-bas des animaux, ouais, ou Beta Aïsim, ou bien on met du bois, ou Beta Osalot, ou bien toutes autres choses qu'on engrange. Arezé, si tu as mis le Hérouf là-bas, Arezé Hérouf. C'est bon, c'est un bon Hérouf. C'est un lieu habité. Parce que là-bas, on habite quand même. Ouais, on peut habiter là-bas. Vadarsham, et celui qui habite là-bas, eh bien, il doit donner le Hérouf. Il est au Ser. Rabbi Yehuda Omer, im yesham tfisat yad shel ba'al ha-bayit eino oser. Si maintenant, dans le Beta Teven, ou je ne sais pas, d'accord, bien dans une maison même normale, a priori, si maintenant les Be'alim, le ba'al ha-bayit, il a une tfisa là-bas, comme il dit Rashi, sheyesh le ba'al ha-bayit makom bedirato shel ze. Chez notre Tenchal, qui est là où il est à Asnia. Par exemple, il a un droit de la déposer là-bas, ses affaires pour les cacher. Eh bien, et nous, c'est là. De Kol Rishuta de Hassar Jideo. Kélu Daraimo Babay. Ça s'appelle comme si c'est la propriété aussi du Baal Abay. Et donc, il n'interdit pas. Mais c'est sûr, ça, c'est Pshita, non? Non, ce n'est pas Pshita, c'est un grand Hidouche. Mais... Oui, c'est le Baal Abay. Par exemple, il est là-bas. On est moi et toi dans une cour. Une cour, on est moi, on doit faire un hérouf normalement, ouais. Oui, maintenant, si moi, j'ai un droit dans ta maison à toi. Ah, juste droit. Un droit de déposer, comme Rachid dit. Et Rachid dit, Radar Sham, Imishil Balabai, Betetevin Shilo, Leaher, Ladur. Si maintenant, moi, je t'ai prêté la maison, je te prête la maison. Je dois faire un hérouf avec toi. Et si maintenant, moi, je garde un droit dans le prêt de la maison de pouvoir déposer là-bas certaines de mes affaires, il n'y a pas besoin de faire de Hérouf. J'ai la biouda. Ah oui. D'accord. Regarde la chive. Et Adar Sham, Imishil Baalabait, Betetevin Shelo, Leahel, Ladur Sham, Oser Allah, Behaser, Oyo Patoua, Behaser, Imisham, Tfistat Yad, Shil Baalabait, Chiesh, Le Baalabait, Makom, Bejirato, Shel Ze, Shinoten Sham, Kelaou, Lasnio, et Oser Allah, Dekol, Shota, Behaser, Jideou, Kilou, Darimo, Babait. Point. Bon, il faut quand même qu'il ait une petite place pour lui. Pas seulement un droit. D'abord, comment on obtient. Comment est-ce que tu dis? T'as lu Rachi là? Oui, j'ai lu Rachi.
Rachid, il dit qu'il faut qu'il ait quand même une sorte de place pour lui. Quoi, place? Il dit Makom bedirato shel ze shenoten sham kelav le'asniya. L'endroit qu'il a, c'est pour déposer là-bas ses ustensiles. Après, tu n'as pas lu. Est-ce que toi, tu as envie de lire? Dis-moi où tu veux lire, toi. Non, non, je ne l'ai pas lu avec toi. En fait, je l'ai entendu. J'ai entendu que. Je reviens avec toi alors. Im yesham tfisat yad shel ba'al ha'bayt, sheyesh le ba'al ha'bayt makom bedirato shel ze. C'est quoi le makom kelav? C'est ça. Chez noten sham kelav le'asniya. Ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il ait seulement un droit, mais qu'il ait aussi une place. J'ai dit un droit, moi. J'ai dit, yesh là-bas, là-bas, et makom bedirato. Non, non, non. Tout à l'heure, quand tu as dit, quand tu as donné l'exemple entre toi et Amos. Ouais, j'ai un droit de déposer là-bas mes affaires et je dépose, ouais. Après, est-ce que ça suffit le droit de déposer ou il faut vraiment que je dépose? C'est un autre sujet. Très bien. Allez, on continue. Gemara. Amar Rav Yehuda ben Rav Shmuel bar Shilat. Kol makom she'amru. Kol makom she'amru. Hachamim. Hadar sham eno oser. Anotel et erovo eno eru. Là où le Hachamim, ils ont dit que si tu habites là-bas, tu n'as pas besoin de t'associer. Tu n'interdis pas. Si tu mets le erov dans cet endroit-là, ce n'est pas un erov. À part le Betchar d'Ayahid. C'est quoi le Betchar d'Ayahid? Rachid dit Chos mi Betchar d'Ayahid. Oui. De Chaser chez l'Ayahid. Regardez Rachid avec moi. Chos mi Betchar d'Ayahid. De Chaser chez l'Ayahid. On m'a dit Be Betchar de Chaser de l'Abim Askinan. Dans la Mishnah, on parle d'un Betchar de l'Abim. On a dit là-bas que si tu mets le Hérouf là-bas, ce n'est pas un Hérouf. D'accord? Mais ici, on me dit, ici dans le Memra de Rav Yehuda de Rav Shmuel bar Shilat, dans la Memra, on me dit Kol makom she'amru hachami atar sham eno oser anoten trovo eno ruf chos mi betchar de yachid. C'est de quoi? Betchar de yachid, bien que tu n'interdis pas, si tu mets le Hérouf là-bas, c'est bon. Quand même, ça marche de déposer le Hérouf là-bas. Betchar de Yahid. D'accord? Très bien. Bechol makom she'amru hachamim en manichim bo eruv. Et tout endroit où hachamim ont dit on ne dépose pas là-bas le eruv, eh bien manichim bo shituf. On peut déposer le shituf là-bas. Shituf pour le mavoy, ça veut dire. Chos me'avir mavoy, à part le avir du mavoy. L'espace même du mavoy, de l'impasse, ne peut pas mettre là-bas le shituf. Qu'est-ce que tu es venu nous apprendre, Rav Yehuda? On a enseigné ça dans la Mishnah. D'accord? Tu m'as dit, la Mishnah nous a dit, si tu mets ton héros dans Betchar Afsadra Mirpeset, ce n'est pas un héros. Pourquoi? D'ailleurs, Adar Shameno, c'est. Et on est médaillé. Erovu de loave. Ashitufawe. Donc tu vois bien, c'est tout appris. J'ai appris. Et le Erovu, tu ne peux pas le mettre à ces endroits-là. Et le Shituf, tu peux le mettre à ces endroits-là. Alors qu'est-ce que tu es venu m'apprendre? Et pour la Gemara, voilà ce que je suis venu t'apprendre. Erovu de loave. Non, pardon. Et pour la Gemara, Betchar de Yahid, Vavir de Mavoy Srikale. Je t'ai appris deux choses. Premièrement, tu as appris que Betchar de Yahid, si tu déposes là-bas le Hérouf, ça marche. Et tu n'apprends pas de la Mishnah ça. La deuxième chose que tu n'apprends pas de la Mishnah que moi je t'ai appris, c'est que si tu mets le Shituf dans le Havir du Mavoy, ça ne marche pas. Et ça, tu n'apprends pas de la Mishnah. Et l'autre, na. Très bien. Tanya Namiachin, Vraita qui va dans le même sens. Anoten et Hérouvo, Betchar, Arsadra, Omir Peset. Celui qui met son Hérouf dans un Betchar Afsadra Mirpeset, ou Bechaser, ou Bemavoy, Arezé Erouv. Si tu mets le Erouv dans le Haser, si tu mets le Erouv dans le Mavoy, c'est Erouv. Je ne comprends pas, mais on a une Mishnah qui nous dit que ce n'est pas un Erouv. Emma, Arezé Shitouf. Donc en fait, quand je t'ai dit
que si tu mets le héros dans Bécha à la Sadra Mirpes, c'est un chitouf. Le chitouf, c'est pas le héros. Si tu mets le chitouf dans cet endroit-là, c'est un bon chitouf. Allez, des chitouf. Chitouf, bémavoy. L'homme inta. Demande à Gmara. Alors, comment tu lis que si tu mets bémavoy, ça marche? Parce que le Tana a dit ou bechaser ou bémavoy. Le chitouf, bémavoy. L'homme inta. Or, le chitouf, il faut qu'il soit mintar au moins. Le héros, il faut qu'il soit dans une maison. Mais le chitouf, il faut au moins que ce soit mintar. Mintar, ou dans le haser, il est mintar. Il est gardé dans le haser, mais pas dans le mavoy. Mavoy, n'importe qui peut rentrer facilement. Chitouf, mavoy, l'homme mintar. On sait qu'on est que ça marche. Réponse. Emma, behaser, chez bémavoy. En fait, quand le Tanel a dit ou behaser, ou bémavoy, il faut corriger. Ou behaser, chez bémavoy. Comme ça, il faut lire. D'accord, donc je résume, la braïta, ça sort. Anoten et Eruvo. Bebetcha, Absadra, Omir Peset, Ube Haser, Shibemavoy. Il ne faut pas dire Eruvo, il faut dire Chitoufo. Areze, Chitouf. Ouais. Donc ça va bien dans le même sens. Ouais, qu'on peut mettre Chitouf dans ces lieux-là. D'accord? C'est bon. C'est bon ou pas? Tosfot, dernier Tosfot, il y a Tosfot Beta TV. Bon, venez, on fait d'abord le dîner Tosfot. Vous de l'Oave, Chitouf Ave. Donc l'Agmara est en train de dire quoi? Où est-ce qu'on était dans l'Agmara? La Gemara a dit, mais Tamash Malan, Tanina, Anoten et Eruvo, Bevetcha, l'Arsadra, Mirpeset, et non Eru. Et la Gemara a dit, Eruvo, de l'Oave, Chitouf, Ave. Donc j'ai appris que Eruvo, ce n'est pas Chitouf, c'est tout ce que tu m'as appris, toi, à la vie au Dabre, de la Shmoel, Bachila. Et la Gemara a répondu, non, je t'ai appris un Hidouche, Bevetcha, de Yahid, premier Hidouche, deuxième Hidouche, Avir, de Mavoy. Ouais, Bevetcha, de Yahid, ça marche, Avir, de Mavoy, ça marche en tant qu'Eruvo. Quand tu déposes la balle à l'ouvre, et après de ma voix que ça ne marche pas là-bas, parce que c'est l'ominta. D'accord? Dans ce mot, taché, d'ashkihan, de carré, aïrou, le chitouf, le perekada, ba la baït, chaya, choutaf, le schenau, la zébeyaïn, ou la zébeyaïn, un sechim, la arrive. Ou le kamar, le perekol gagot, kamar, maïlo, aïrou, le nishtat. Tosfot, il pose la question suivante. Ils disent, de quel droit la Gemara a dit Eruv ou de l'Oave, Chitouf Ave? Comme si le mot Eruv, il est bimdouyak. Eruv, c'est Eruv Hassar, et Chitouf, c'est Chitouf Mavol. Eruv, oui, Chitouf, non. Tosfot, ils disent, mais qui t'a dit que c'est Medouyak, Bichlal? Que tu poses la question à Tanina. Alors, plein de fois, et Tosfot amène deux preuves à cela, qu'on voit que parfois, pour parler de Chitouf, on utilise le mot Eruv. Ouais, par exemple, dans Père Tadad Afain Alef, il y a marqué Baal Abay Chaya Shoutaf Lishkena ou la Zebeyaïn ou la Zebeyaïn. En Zerim le Arev, et là-bas on parle de Chitouf. Il y a Yaïn, c'est le Chitouf. Selon Rabbi Meir, etc. Rabbi Yoshua. Ou le Kamal de Père Kol Gagot. Aussi, Kamal Maï Loirvo. La Kamal dit c'est quoi la Kamal de Loirvo? L'on Ishtat. Donc tu vois bien que le Moïro et Chitouf, c'est Milim Nirdafim. Ouais. Wow. Donc, de toute façon, tu es resté sur une couchia. Très bien. Tosfot, Betateven, il est sur la Mishnah, lui. On a vu quoi dans la Mishnah? On a dit Betateven, ou Betabakar, ou Betahissim, ou Betahosarot, Arezeiru. Betateven, Arezeiru. Tosfot dit, donc, si tu as mis là-bas le Eru, ça marche. Même s'il n'y a pas de paille là-bas. Pour déposer le Hérouf, ça suffit. Ça suffit qu'on puisse habiter. Peu importe qu'il y ait de la paille là-bas ou pas, j'en ai rien à faire. Je peux habiter dans ce local-là, c'est bon. Par contre, quand on a vu dans Dafa'in Bet, ce soit 10.
que Betateven ça interdit, Betateven oser. Attention là-bas, quand on a Betateven dans une cour, il interdit. À une dafka qui chez Shamteven. Attention, il faut qu'il y ait du Teven là-bas pour qu'il interdise. Donc ici, il n'y a pas besoin. Pour déposer l'eau, il n'y a pas besoin. Ça suffit que c'est un endroit habitable. Mais pour interdire, il faut qu'il y ait du Teven. D'où tu sais ça? De la même manière que selon Rabbi Yehuda, ça n'interdit que Makom Jira. Et c'est le quoi, Makom Jira? Il faut qu'il habite là-bas, Shabbat. Là aussi, selon Rabbi Meir, d'accord, que quand il met un Teven, il interdit, il faut qu'il y ait Teven. Il faut qu'il y ait là-bas Teven pendant Shabbat. Quand on a dit chez nous, Vadar Sham, la suite de la Mishnah, c'était Vadar Sham, Oser Alaw. Vadekatane là-bas, Adar, chez nous quoi? Adar Sham, Oser Alaw. Dauka, Shehen, là-bas, Abayt Sham Teven. C'est uniquement lorsque le Baal Abayt lui a prêté la maison, il n'a pas du Teven là-bas. Deim Yesham Teven avec Eludaremo. Sham, bye bye, de Rabbi Meir. Ça s'appelle comme s'il habite avec lui, son Rabbi Meir. Mais c'est le bal pour de Rabbi Yehuda. De Hashiv, Beta Teven, Kemakom Jira. Parce que lui, Rabbi Meir, il considère Beta Teven, Kemakom Jira, Bepel Kada. Et donc, selon Rabbi Meir, si j'ai prêté un Beta Teven à mon ami, il y a du Teven dans cet endroit-là, à moi, alors, il n'interdit pas. Selon Rabbi Meir. On continue, dernière ligne droite avant la fin du daf. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Bnei Chabura, Shayu Mesubim, un groupe d'amis qui étaient accoudés. Vechadash Alem Ayom. Et Shabbat rentre. Alors, Pat Sha'al Ashulhan, Somchin Alea Mishum Elouf. Vamre Alea Mishum Shitouf. Il y a deux versions. Le pain qui est sur la table, eh bien, ils peuvent s'appuyer. C'est lui qui va faire le Elouf entre nous. Peut-être qu'il faut dire une phrase, mais c'est bon, ça, c'est là, c'est bon. Le pain qui est sur la table nous fait en sorte qu'on est en train de faire, ça s'appelle un Eruf Haserot. Il y en a qui disent que ça s'appelle un Shituf Mevorot. Ouais, comment c'est possible? Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Amar Rabba Avelop Ligi. Kan Bem Soubin Babay, Kan Bem Soubin Behaser. Dans un cas, ils étaient dans la maison, en train de manger. Dans l'autre cas, ils étaient dans leur Haser, en train de manger. D'accord? Dans la maison. Parce que la maison, on a dit que le Elouf, il doit être dans la maison. Voilà. Quoi? Et dans le Haser, ça va être le Shitouf. On rappelle qu'il y a le Mahlok entre Rashi et Ri, que selon Rashi, il peut être dans le Haser, même le Elouf, d'accord? Alors que selon le Shitouf, il peut être même dans la maison. Alors que selon Tosfot, selon Ri, le Shitouf, il doit être d'Afra dans le Haser. D'accord? On a déjà vu cette idée là-haut. Mais pas dans la maison, ça veut dire. Bon, en tout cas, dit Rabba, l'opli qui calme le souvenir, baï calme le souvenir de Hassan. Amalé à Bayen Rabba, Tanyatim Sayalach. Il y a une braïta qui va dans ton sens. Il ouvre Hasserot, Behassan. Le chitofé mevot, Bemavoy. Le rouvre Hasser, on le met dans Hasser. Et le chitouf mavoy, on le met dans le mavoy. Et cette braïta-là, on ne l'a pas comprise. Pourquoi? On s'est posé la question suivante. Il ouvre Hasserot, Behassan. Il faut que ce soit dans le Hasser. On a dit même Betchar, Mirpes, etc. Ça ne marche pas dans le Mishnah. On a dit que ça ne marche pas. Oui, Hasser, ça ne marche pas encore moins. Oui. Et Noirou. Alors, on a corrigé la braïta. Emma. Il ouvre Hasserot. Bebait, c'est Hasser. Mais si tu fais ma vote. Donc je reprends la braïta. Élevé chasserot, behasser, non, élevé chasserot, bebait, behasser. Behasser, tu veux dire dans la maison qui est dans chasser. Si tu fais ma vote, bebavoy, pas bebavoy, dans la chasser du mavoy. Point. Regardez ici un rachis, on a fini le daf. Regardez un rachis, il demande un peu d'éclaircissement. Bebait, behasser. Moi, je dis, c'est quoi la hidouche? Voilà, Hidouche, bah, tu m'apprends que c'est comme le Tanya Namiachi, quoi.
Ouais, Tania de préalable. Ouais, que quoi? Il faut qu'il soit dans la maison. Allô, il faut qu'il soit dans une maison. Le chitouf, il faut qu'il soit dans le Hasser et pas dans le Mavoï. C'est ça ce que j'aurais dit qu'on a pris. Rachid dit autre chose. Le Bayt Shebe Hasser, le pour que Bayt Shebe Hasser Acheret. Et pas une maison qui est dans un autre Hasser. Mais Hasser Shebe Mavoï, la pour que Hasser Shebe Ptouchalo. Et pas un Hasser qui n'est pas lié à ce Mavoï-là. Voilà ce que le Tana est venu nous apprendre. Ça n'a rien à voir avec le Tana de Mtsaïra. Ouais. Pourquoi Rachid l'a expliqué comme ça? Alors je me suis dit, il faut rechercher encore, je me suis dit que peut-être parce que si c'est comme moi, je dis, alors c'est bizarre que le Tana, il a omis l'essentiel de ce qu'il veut dire. Ouais. Et le Bechaserot Bechaser. Mais en fait, non, ce n'est pas Bechaser. Hein. Le Bechaser Bechaser. Attends, le tachlit de ce que tu as envie de me dire, tu ne le dis pas? Tu dis le contraire? Et le Bechaserot Bechaser. Je te fais ma vote, mais ma voix. Mais tu dis le contraire? Le daf ne sera pas dans ma voix, il faut le mettre. C'est bizarre de dire que ça soit ça, la Kavana. Alors peut-être, Rashi, il veut dire que le Tana, en fait, son but, d'accord? Le but du Tana, c'était de dire. Et le Hasserot, tu sais, le Hasserot, il faut qu'il soit dans le Hasser. Dans le Hasser, hein. Ça veut dire dans une maison du Hasser, mais pas un autre Hasser, hein. Pas une maison ailleurs, hein. Pas dans un autre Hasser, dans une maison là-bas. Bon, si tu fais Mavot, il faut qu'il soit dans le même Mavoy, hein. Ou dans le Mavoy, dans le Hasser du Mavoy, mais pas dans un autre Mavoy, hein. C'est-à-dire Hasser qui est dans un autre Mavoy. C'est peut-être ça la Kavana. Il fallait dire, dans ce cas-là, il fallait dire différemment. Qui, Rachid, aurait dû dire différemment? La Gemara, elle aurait dû dire, elle va hatserut, va hatser chez Babayt. Ça ne veut rien dire. Ma bête, c'est bien Hasser, oui. Pourquoi Babayt, va hatser? Ah, il faut le mettre dans le bête. Ok. Alors, je reprends. Donc, on ne comprend pas bien Rachid quand il dit la pour que bête, c'est bien Hasser, ce que j'ai proposé, moi j'aurais dit, ce n'est pas ça le but du Tana. Le but du Tana, c'est de prendre le Mavoï, le Elou, il faut le mettre dans une maison. Le Chikou, il faut le mettre dans le Hasser. Mais pas dans le Mavoï, d'accord? Rachid ne dit pas ça. Il dit la pour que Mavoï Acher. Hasser de Mavoï Acher. La pour que, comment il dit, Bayt chez Hasser Acher. Alors peut-être la Kavana, c'est comme on a expliqué tout à l'heure. D'accord? Baruch Adonai Amen. Amen. Bon, vous méritez une bonne pause là. Jonathan, Oui. non, parce que je ne voudrais pas que Jonathan, il n'a peut-être pas bien compris ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand j'ai dit que je ne voyais rien dans les images. Ce n'est pas toi qui les présente mal, tu les présentes très bien, mais c'est moi qui ne vois plus rien. J'ai les yeux tellement fatigués que je ne vois plus rien. Mais pourquoi tu les as dans ton téléphone de toute façon, toi? Ouais, mais c'est pour ça. Mais comme c'est compliqué, comme c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher. Et quand Jonathan il les présente très bien, mais j'y vois rien Mais il parce n'y a que pas de souci, il n'y a pas de je souci. Allez, Allez, Hazak, Emmanuel, Hazak. Ponto. Allez, calme-toi, À calme-toi. mercredi, si tu Allez, ta chaîne. veux.